J'ai réussi à me faire des cookies géants, mon gars, du coup. Ils sont tout fondants à l'intérieur, mon gars. Je les croque, il y a du chocolat qui coule. Oh. Arrête, tu viens de donner envie. Putain, c'est con que je sache pas faire ça. je m'en ferai tous les jours. Monsieur, vous deviendrez un cookie à force. Ouais, en fait, au final, c'est peut-être pas plus mal que je sache pas en faire. Tu verrais Vincent qui fait rouler sa voiture à la place de sa voiture qui l'a fait rouler. Du coup, demain, on va faire un peu de Dying Light. Ah ouais, mais carrément. Eh bah écoute, ma foi. Oh, demain, je vais dormir. Toute bonne foi. En vrai, j'aurais pu rentrer demain, mais rien que le fait de pouvoir dormir tranquille demain matin, ouais. J'ai juste envie de rester. Parce qu'après, je sais que quand je vais rentrer chez moi, ça va être le bordel. Je vais jamais pouvoir dormir avant. Enfin, jusqu'à 10h correctement. T'as raison de donner une journée de repos. En plus, avec les chats là. C'est gros lard. Tu prends ton PC ou pas du tout? Ah, aussi, ouais, si, je prends mon PC. Je pars 2 semaines, mec. Je vais mourir au bout de 3 jours sans mon PC. Et je vais dire filer Windows en fait. Ouais, non, je prends PC. Ouais, il est là. Je suis là. Le chasseur légendaire du Kraken. C'est le Kraken. Ah, j'aurais peut-être changé mon titre, tiens. Ouais, j'ai quel titre? Bah, on peut pas vérifier. Faut le mettre là. Hein? C'est combien déjà les pièces du navire? 7 millions et quelques. La grosse partie, c'est 8 millions 2. Ah, super, je vais être clamsé quoi. T'as combien? 5 millions 100. 42. Bon, ça va. On pourrait dire qu'il me reste 3 millions. Quoi. Toi, t'es plus proche que moi, parce que moi, je suis à 13 000. Waouh. Oui, mais toi aussi, tu claques dans tout. Non, ne sortez pas. Si. On fait regardez, je suis sorti, je regarde l'air dehors. Les oiseaux. Vous n'avez pas le droit. Comment ça? Beware six. Attends, c'est quoi ça? Hein? Ah, c'est une oui, martyrisation d'Umbra. D'accord, j'ai déjà ce truc. Ouais, on l'a déjà eu. Du coup, attends, parce que la dernière fois, j'ai vu que j'avais eu un machin là. C'est-à-dire qu'ils ont dû augmenter les. Tu sais, les trucs que je farmais à un moment donné qui te saoulaient là. Oui. C'est-à-dire que du coup, ils ont dû en mettre en plus. C'est pas ça. Où est-ce qu'ils sont? Je te dis oui, mais je vois pas de quoi tu parles. Bah tu sais je cherchais tous les trucs à trouver sur les îles qui te donnaient des succès. Ouais. Tous les sens. Ah oui ils en ont peut-être rajouté quelques-uns. Je sais plus dans quel onglet. C'est pas les fables de Flibustier. Non c'est... Attends. Légende de la mer, c'est ça. Les trucs fond de cale. Ouais ça, légende de la mer. Le journal de Gittelberg à travers la mer, 16 sur 22. Là, ouais, ils ont rajouté à Port-Mérique la statue fondée dans la ville quand ils meurent, son vaillant combat. L'héritage de la légende. Un livre détrempé se cache sur une grande île circulaire à l'ouest. Un livre dans la tête verdoyante. Les eaux parties. En vrai, il me manque encore Vincent. Ouais, moi aussi. Je vais penser à les noter pour bien te rappeler qu'il faut les faire. Légende de la veille. En vrai, il y a des trucs que. Je suis presque à deux de les terminer, quoi. Mm. Vous avez vaincu 10 fois tous les ennemis de la forteresse des damnés. Donc, bon, plus grand chose. Vous avez vaincu 25 fois les ennemis de la forteresse des damnés. Ah ouais. 25 ouais, voilà. 50. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié. Après, le dernier grade, ça va être 100 ou 150. Non, c'est 25 et 50. Tu sais, avec les fameux skins que t'as au bout de 25 fois seulement. Alors que le dernier grade, c'est quand même 50. Bon, bah écoutez, perfecto. On lance la vidéo. Écoutez, lancez-moi, je finis avec ma compote. Oh non, j'ai encore le syndrome Vincent. Le syndrome. J'ai essayé de m'accroupir. C'est horrible. Voilà ce qu'il devrait ajouter dans la prochaine saison. Hein, une touche pour s'accroupir. Oui. Vraiment, mais pourquoi est-ce que nos personnages ne peuvent pas s'accroupir? Bon, on est bien écouté. Et pourquoi on aurait besoin de s'accroupir dans ce jeu? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oui, mais pourquoi?
Pourquoi pas? Je réitère. De quoi qui peut durer une plombe. Ouais, c'est ça. Bon, et bah parfait, bah t'es que siège, voilà exactement. Ça c'est à l'image de mon anglais. T'es que siège. T'es que siège, j'aime Thank tellement. you, siège. Ah bon, c'est presque un prank le truc. Barrel, ouvrir. Pas d'autres trucs marrants. Ouvrir le barrel là. Il est où, Non. barrel? Il est où le barrel? Il est où? Bon, eh bien, écoutez, perfecto, parfait. Bon, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur notre nouveau let's play. Ouais, pas vraiment let's play, Ouais, vidéo. épisode let's play. Ça sera, ouais, une seule vidéo, je pense. Une heure. Ouais, il y a des On va chances. faire la nouvelle aventure, Sea of Thieves, l'aventure avec la collab Monkey Island. Monkey Island, j'ai fait le dernier jeu en date, en lice, qui était Day One sur Game Pass. Accès très humour, accès piraterie et autres débileries. Un Donc, soir, est-ce que vous parfait êtes pour l'univers prêts? de Sea of Thieves. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez, moi je suis prêt. Déjà, on peut commencer par parler à la dame qui est dehors. Pas Alors, elle, on hein, va pas l'araignée. parler, parce que si on parle et parle, je vais partir. Je crois qu'elle est là, dans sa Oui. cabane. Et Clochard va! Pardon. Attends, mais on en parle du fait qu'elle a Oh. un demi-bateau, quand même. Bah, Un c'est pas un demi-bateau. demi-bateau, c'est même Ah, pas mais un c'est bateau, c'est avec une un... chaloupe. Ah, mais ouais, c'est un singe sur le drap. Elle avait pas vu. Mais non, j'ai jamais trop regardé. Au passage, elle est rousse. Ah mon dieu! C'est vrai que tu l'avais même pas vu. Si, mais j'avoue que je l'ai pas relevé. Des croisières, des voyages guidés prochainement. Espérons. Enfin, espérons. Enfin, Joli espérons. chapeau. Oui, en effet. Si tout c'est ce que vous voulez dire, vous pouvez-vous aller déranger quelqu'un d'autre? J'ai encore beaucoup de travail à faire ici. Que sont D'accord. les Capsize Charters? C'est le nom de ma compagnie. Je proposerai des visites guidées, des épaves et d'autres attractions comme je l'ai fait chez moi. J'ai essayé de m'installer sur les quais, mais ces marchands aux arrogants ne voulaient pas me jeter un regard, alors j'improvise. Cela n'est net guère qu'il me manque un navire en ce moment. Même mon bateau au fond de verre serait un bon début, mais j'ai dû l'abandonner derrière moi. D'abord, je pensais que je pourrais peut-être juste voler un nouveau navire, mais le peuple des mers du coin a la fâcheuse manie de mener les propriétaires d'origine auprès de vous. Eh bien, un problème à la fois. Pourquoi ferez-vous des Attends, elle a... visites? Attends, elle a un bateau à fond de verre. Oui, c'est ce qu'elle avait dit. À péter, c'est trop bien. Comment? C'est trop bien. Oui. Je veux ça, moi, dans Sea of Thieves, prochaine mise à jour. Pouvoir ajouter un fond en verre au bateau en bois. Hein? Oh, en partie par lassitude. Je sais plus c'était quoi du coup en phrase. Ah oui, pour les visites guidées. Et aussi pour gagner de l'argent, puisque mes pièces de 8 ne valent pas grand-chose ici. Surtout parce que je suis ici à la recherche de quelqu'un. Une personne qui m'a tendu un piège et oh, il a bien failli s'en tirer. Il est assez dans le pétrin. Mais un jour, son menton va se présenter à plusieurs reprises, va présenter, pardon, à plusieurs reprises ses excuses à mes phalanges pour ce qui m'est arrivé. Non, pas que je puisse réellement l'avoir dans mon propre navire, mais en l'installant ici, je peux me renseigner auprès des pirates de passage. Tôt ou tard, je trouverai quelqu'un qui est prêt à aller le retrouver pour moi. Je dois juste être patiente. Eh bah, ben, vous profitez de la vie sur la mer, le Thief. C'est différent, je vous l'accorde. Il faut s'habituer à un tas de choses. Le fait est que j'ai déjà vu passer un squelette. Là où d'où je viens, la plupart des pirates sont raccrochés ou sont tournés vers d'autres domaines. Certains se sont même présentés à des élections. Vous ne trouverez guère d'équipage prêt à renverser leur grog en combat contre un mégalodon ou à tenter de frayer un passage dans une forteresse pleine de fantômes. Oui, en fait, c'est un peu tous débiles dans l'univers de Monkey Island, hein, tu l'as compris. Ouais. Je jure, cependant, que le prochain pirate qui essaiera d'aider mon chapeau sera forcé de D'acheter. cracher toutes ses dents. D'acheter, pardon. C'est tout. Eh Et bah... donc, et voilà, votez. Donc, le voyage vers l'île de Mêlée, à la demande du seigneur de la piraterie, un voyage vers la mer des damnés est en cours, ainsi qu'une chasse à un pirate de renom porté disparu. Son nom est Non, Guybrush c'est... Threepwood. On dit Guybrush. Guybrush. Guy... Mais moi, je suis Frenchie, donc je dis Guybrush. Hein, c'est la Guybrush. broche à Guy. Non, on dit Guybrush. Threepwood. Guybrush. J'ai voté pour le voyage, mais il se passe rien, c'est normal. Ok. C'est vraiment retourné en mode bas. I'd find him myself if I had the money to get back on the waves. But for now, I'm just another landlubber selling tours. Ah, Captain Ah. Capsize.
I see you've already settled in and started making friends. Mais si en fait je suis un meilleur, c'est pas la femme de Guy Rush en fait, Capsule. Mais c'est juste que je l'ai pas vu, je crois. Then he can have a long and meaningful conversation with the sole of my boot. Which won't happen unless you take the time to explain our situation. A while ago, I invited a pirate named Guybrush Threepwood and his wife Elaine to celebrate their honeymoon here. Donc elle, c'est pas sa femme du coup. Non. You mean a fraud named Guybrush Threepwood? Though I'd also accept liar, imposter, figurehead thief. Guybrush accepted my invitation, but his ship never arrived. After a while, I began to fear the worst. So I began making inquiries in the Sea of the Damned. And found me stuck there, sailing in circles in my old glass-bottomed boat. Something that looked like it anyway. A memory of yours made real by the Sea of the Damned. In that realm, people and places from long ago can come back to haunt you. Du coup, il y a des trucs des anciens. With all the hopes and ouais. Dreams oh, t'as vu in your heart. I fear that Guybrush has become trapped in. Ah, il a des coups de couteau dans le dos. Ah oui, mais c'est comme ça qu'il est mort. Je pas, il y a des chances, oui. J'suis pas sûr. If he is not rescued, he will remain sealed in a dream world for all eternity, surrounded by fragments of his past. That is why I have asked Kate to recruit pirates who are both willing and able to broach the Sea of the Damned and save Guybrush. And then everybody here will see what a pathetic dope he really is. It's a good plan. Think they can pull it off? I believe they can. Mais qui a tapé... Ah, il nous a ouvert la porte là-bas. Ouais. La porte du damné. Kate learned of Guybrush's whereabouts, but was never able to reach him. You will be sailing into uncharted territory. On Melee Island, things may be very different from the Sea of Thieves, you know. J'adore comme à la caisse. Ouais. But don't lose it. Once Threepwood has been rescued, I'm going to make him eat every last page. You should keep an open mind, Kate. Out here, enemies can enter the same tavern and depart as friends. When it comes to Guybrush Threepwood, I don't need an open mind. Only a closed fist. Well, don't just stand there. Sail through that archway and find Threepwood. The logbook I gave you has everything you need to know. J'aime bien, et surtout, ne perdez pas mon livre. Quand vous l'aurez retrouvé, je veux lui faire bouffer toutes les pages une par une jusqu'à la fin. C'est vraiment pour ça qu'on ne doit pas ouais. Perdre le livre. C'est vraiment que pour ça. Captain's Logbook de la Headless Monkey. Du singe sans tête? Ouais, c'est ça. Hein. On a le scab, le booty, le fat. Kate capsulize. Guybrush Threepwood. Je le traquerai sans relâche. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Voici à quoi il ressemble. J'aime bien les gravités ouais. Qu'on m'a rajoutées. Wanted. Voici donc ce qu'il a fait de ma photo. Je me suis fait jeter en prison pour ses crimes. 100. Un reward que 100 pièces. T'as vu ici, il y a une reward pour Guybrush ici là oui. De 100 000. 100 000, elle est à 100. T'imagines, c'est ce qu'on gagne si on finit la quête. T'imagines. C'est dommage que je veux pas 100 millions quand même. Ouais, parce que 100 000 en vrai, on fait pas grand chose avec. Chips Log. Jour 1. Vas-y, attends à toi de lire un peu. De lire un peu. Fais-nous une voix. Jour 1. Le Mad Monkey est enfin construit. Le navire parfait pour chasser Threepwood. Mais il s'est envoyé. Threepwood. Mais il a volé sa figure de proue. Un truc en plus sur ma liste. Jour 3. Le navire a été rebaptisé le Headless Monkey. Peut-être lorsque j'attraperai Threepwood, je pourrai lui servir de figure de proue. Ah non, il pourra lui servir de figure de proue. Jour 4. Embauche de compagnons de bord. L'un d'eux était un type rêche qui se prenait pour le capitaine. À l'heure qu'il est, il rentre à la nage. C'est violent un peu. Oui. Jour 6. Threepwood a été aperçu à bord d'un navire orné d'une bannière. Vive les mariés. Mon équipe et moi devrions pouvoir le retrouver facilement. Il y a beaucoup de pages, mec. Jour 10. Je le tiens. Threepwood navigue vers un endroit appelé la mer de Sea of Thieves. Nous le poursuivons, mais ça devient terriblement brumeux. Jour 11. Pour la faire courte,
Ouais, ils voilà. ont... Ah, pour la faire courte, elle a dessiné un bateau qui s'est pris à un caillou. Ouais, c'est ça, avec une dent pointue. C'est ça. T'en fais mâcher. Jour inconnu. Je ne sais plus comment, mais j'ai trouvé mon bateau à fond de verre dans cette étrange ville de pirates. J'ai mis les voiles en solitaire. Guybrush peut attendre. Je veux juste du soleil. Jour toujours inconnu, exclamatif. Je le vois de mes propres yeux, mais je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce ça peut être l'île de Mêlée? Explorer l'île de Mêlée m'a fait réaliser que j'avais encore un compte à régler avec Guybrush. Mais je n'ai pas pu le joindre. Il pourrait bien être le prisonnier cette fois-ci. Le seigneur de la piraterie m'a dit que ça s'est tiré de la mémoire des pirates. Même l'île de Mêlée. Il va m'aider à atteindre les mers de Siavsiv et en retour, je vais rebâtir Capsize Charter, un avant-poste. Gagner de quoi me permettre... Gagner de quoi me permettre un navire à moi. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, d'accord. D'ici là, le seigneur de la piraterie a prévu quelque chose. Nous allons recruter des pirates pour amener Guybrush à la maison. J'espère que les notes de ce livre aideront. Ils peuvent naviguer à travers l'arc. Oula. Et après, c'est un plan d'île de Mêlée. D'accord. Guybrush trouve l'horloge, ouais. La gazon de taille des choses utiles pour m'aider à atteindre Guybrush, sans me casser. Citoyen m'a donné ses cartes ou avant. Scumbar. Tour de l'horloge semble cassé. Magasin de détails de choses utiles qui pourraient aider à atteindre Guybrush. Prison en cours de rénovation. Ok. Oh, j'ai des souvenirs qui me reviennent. J'espère vraiment qu'on reverra des personnages. Bah, toi, du coup, ouais, ça va être un peu nostalgique. Toi, tu vas bien kiffer. Moi, ouais. Je vais complètement découvrir l'univers. Je pourrais te raconter des petites choses. Et donc, alors, déjà avant de continuer, bienvenue à bord de mon nouveau navire, le Harmony Deep. Ah, l'harmonie profonde. C'est celui que j'essaye enfin de... Celui que j'essaye d'avoir depuis je sais pas combien de mois. Mais... T'as la coque? Ah oui, mais t'as amené en fait. Il y a tout. En fait, j'ai farmé cet après-midi pour avoir la thune nécessaire pour tout acheter. Oh, le fou furieux. La coque, la fiore de proue et la voile, c'est 330 000 unités. Et c'est 165 000 les canons, 165 000 la barre et 165 000 le cabestan. T'as maîtrisé encore pas mal en vrai à fermer, non? Ah bah 600 000. Une fois que j'ai tout acheté, il me fallait encore 660 000. Ah oui, avec le CST en plus, le titre va bien avec. Ouais, le bah, c'est un truc que j'avais acheté en fait quand j'ai acheté, je me suis dit je le mettrais là-dessus. Et regardez, j'ai mis un peu de déco du coup. Ouais, j'ai vu. Vraiment le bateau qui est vieux quoi. Ouais. Qui est terne. C'est ça, le bateau qui vient des profondeurs. Ouais, comparé à d'habitude, c'est toujours un peu clinquant avec toi là, ça, c'est triste, non? Mais why not? Mec, j'ai tellement galéré pour avoir ce set que j'en suis extrêmement fier. Attention, t'as marre à l'effet. Oui. Et alors j'aime bien la voile aussi parce que de mon côté, je vois pas les poissons. Et je vois pas de mon côté, je vois pas les poissons, il y en a un peu déchiré. Et c'est le côté un peu vert aussi que j'aime bien. Oh, attends, je suis juste allé me chercher de l'eau très rapidement le temps que t'arrives. Ah, mais non, il va chercher de l'eau quand on va rentrer dans le portail. Oh, la musique! Oh, il y aura des choses et tout. Voilà. Ouais, il y a une petite musique en plus comme on s'approche du portail. Je crois que ça passe toujours par les derniers. Ouais. Bah oui, parce qu'en vrai compte il s'est perdu sur la route pour venir là. Il faut qu'il arrête avec les portes des derniers. Mais non, parce que en fin de compte tous les mondes se rejoignent et tous les mondes se retrouvent dans la mer des derniers. Ah oui, donc oui. En fin de compte la mer des derniers c'est un peu un portail, un passage. Bah il faudrait peut-être penser à sceller un peu mieux, hein. Bah non, parce qu'il avait voulu passer par la mer des damnés pour aller sur les Siocives en fait. Ouais, je sais. Sauf qu'il s'est retrouvé peut-être dans ce moment. Ouais. En vrai, il faudrait qu'un jour on se fasse l'histoire, là, celle que t'avais pas trop aimé à l'époque. L'histoire principale. Laquelle? Ah oui, oula.
Il y a un bateau, Vincent. Super, j'entends notre bateau craquer. Oui. Tu vois ce genre de bateau là avec un truc qui tourne à l'arrière là, j'aimerais trop qu'on ait des bateaux comme ça. Mais oui, c'est trop stylé ça. Mais tu vois, il y a beaucoup trop de canons. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, un bateau comme ça que tu peux jouer à plusieurs là. Ah, t'as vu le jeune marié à l'arrière? Ouais. Ouais, parce que je sais qu'il s'est marié avec la fille qui s'est fait capturer plusieurs fois par le singe. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur gosse, et justement dans le dernier, raconte une histoire sur son gosse. Mais non, en plus, je vais en souvenir du coup, c'est sa femme, je suis trop con. Je suis un jeune d'avoir en tête. J'ai eu l'image. Mais voilà, Hélène. Hélène, si tu savais. Oh, le bateau il craque. Mais oui, parce qu'on a pris l'eau quand quand on est rentré dans le check. Avec cette vue qui part. Oh, avec notre bateau qui fait toujours du ride. Oui. Il fait du drift. Toujours la même chose, ça c'est vraiment très. Ouais. Okay, je vais regarder le bateau rouge à côté, je crois que c'est le bateau du Chuck, donc le singe. Ah. Oh. Recueil du journal mise à jour. Manifeste de transport, hein, citoyen de mêlée. Cargaison, caisse de marchandises importante. 300 figurines de la légende de l'île aux singes, réservées. Une facsimile. Les simiens remplis. L'histoire régionale relie. L'île de mêlée, Vincent. Ah, puis c'est vraiment la musique des jeux, hein, vraiment. C'est le thème du jeu? Ouais. Oh, ça va faire bizarre de voir ça en. Ah, oh, ouais, en là-haut. Là, normalement, tu vois tout là-haut, là où t'as le point lumineux. Tu commençais là-haut à un moment donné. Ouais. Alors par contre là c'est vraiment moi qui contrôle le bateau là. Donc voilà que je ralentisse et que je trouve un endroit où accoster. Du coup c'est une voile double côté. Ah non. Ouais si double non, côté. Non mais elle est pas noire du côté intérieur. Celle-là j'aime bien. Ouais elle a des. Il y a le côté un peu verdâtre. Non je suis très content de ce set. Je trouve vraiment qu'à chaque fois les boulots qu'ils font sur les collabs sont. Tiens, je te laisse aller sur le ponton et me regarder m'amarrer. Il va s'amarrer. Comme ça, tu vas me voir arriver tout doucement, tu vas me voir débarquer. Mais, non, mais il y avait une échelle. De l'autre côté. Côté. Ah, écoute, hein. Tu gagnes du temps. Waouh. Quel homme. Ce genre de personne n'a jamais enlevé son encre parce qu'il a pas besoin. Pourquoi mettre là ? Oh, je vais quand même la mettre là parce que là on est amarré, on est hacké. Il n'y a pas de risque de se faire attaquer par d'autres joueurs. Puis du coup, là, ouais, même la figure de proue. Au final, toi t'étais pas fan, qu'est-ce que tu penses de mon bateau avant d'avancer sur. Ça va, ouais. Alors, moi je suis pas fan, mais après c'est vrai que ça change et ça reste un style et toujours sympa. Après. Moi, c'est vraiment ce style de bateau qui a sombré pendant trop longtemps et qui. Ouais. Après, qui très franchement, le couleur rouge avec beaucoup d'or et des flammes à l'avant. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Attendez, avancez pas trop parce que vous avez déjà raté un truc là. Quoi? Pied de 8. Ah merde. Ah merde. Puis je me suis arrêté plusieurs fois pour regarder un peu à droite et à gauche et. J'ai le seum. T'es parti. Ah, il y a un couvercle. En arrière, il y avait un couvercle à utiliser, il n'y a rien dedans. Ah oui. Du coup, maintenant, faut fouiller chaque truc et tout. J'ai envie d'abord d'aller par là. Au moins intéressant avant d'aller au plus intéressant. Ah, bah bien sûr. Électoral. Accomplissement obtenu. Légende élue.
Ah oui, il doit y avoir un truc. Ah, j'ai pas regardé ça. Ceci est une affiche de Ah campagne ouais. destinée à encourager les gens à se réélire. À réélire, pardon, le gouverneur Guybrush. On peut dire, quand on est la légende de l'île aux singes, personne ne nous arrive à la cheville. Et du coup, il y a. Rêve du flibustier. Ah bah oui, le voyage vers l'île de Médée. Par contre, ils l'ont foutu entre. Ah non. Oui, ok, d'accord. Par contre, il y a la dose de pièces. Ça doit servir. Hein. On a des figurines. What? Et un tableau. Ah, ils ont fait bugger un nom. C'est bon, Attends, il y il y a a un un. truc avec un truc avec un treuil là. Ouais, c'est ce que je veux dire, il y a un bateau là. Mais non, mais il y a une caisse à récupérer. Mais là, j'ai levé. Attends. Attends, faut que je lève le crochet. Y a pas moyen de déplacer la grue? Ça me fait penser au bateau quand Jack il arrive là. Attends, Ah oui. regarde sous l'eau, regarde sous l'eau, il y a une caisse. Ah oui. Attends, je vais descendre le crochet. Ah oui. Non, c'est pas à côté. Non, en fait, regarde, attends, je peux orienter la grue pour récupérer la caisse. Allez-y, hein, vous êtes presque. Ouais. Orienté, 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 orienté. Encore. Ouais, encore. Stop. Descends. Ouais, bah, attends, c'est pas au même endroit. Alors du coup, ça doit se faire tout seul, non? Ah, vas-y, Là. remonte là. Ouais. Ah. Pourquoi ça veut Non. pas remonter? Là, t'es dedans, hein. Ouais, je suis dedans, mais ça veut pas remonter. Mais c'est peut-être pour plus tard dans l'histoire, peut-être, hein. Ou alors, attends, si je tourne la grue, est-ce que je peux tourner la grue? Non, je peux pas tourner la grue. Ah, c'est une malédiction. C'est quoi cette arnaque? C'est clair. Ça se trouve, c'est juste pour l'histoire, et là, et du coup, Ah mec, non. Mec, il faut taper au coutelas les cordes. Les cordes, elles étaient cassées. Non, Ah. en fait, il y avait des cordes qui étaient faibles. Là, comme ça, on prend que la caisse. Il y avait des cordes qui étaient faibles. Tu es faible. Non, tu sais, c'est genre des cordes qui Oui. sont juste un peu effilochées. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, je te laisse finir le contrôle de la grue. Ah, Parce que pardon. Vas-y, va là-haut, va là. Non, va là-haut. Va là-haut. Pour tourner, c'est là-haut. Et pour descendre et monter, c'est en bas. Je vais faire gauche. Trop fort. Les mecs, ils arrivent déjà. Hop, une caisse de récupérer. Vas-y, c'est bon. Et maintenant, on descend là. Maintenant. Outil requis pour ouvrir la caisse d'expédition. Évidemment. Bien évidemment. Bah moi je propose d'aller au Scamba. Vas-y. Il y aura plein de choses à récupérer, faut vraiment faire attention. Oula. Ah ouais, oh, Oula. c'est vraiment comme dans le jeu avec le mec et tout. Je crois ah quoi... si normalement ouais, on le croit, je crois qu'on le voit. Nakom. Mancombe. Par contre, il y a beaucoup Oh de mec, traces. oh, y a plein de pièces à récupérer là. J'hésite à vraiment tout lire. Hein. Ah, pièce de 8 récupérée, Vicente. Ouais. Faut 4. 2 et 8 fois 4. Là aussi, il y a des pochettes de pièces. Hein. Mince. Merci, ça. Attends. Ah non, je peux pas les récupérer. Shop requise pour Ah, partager une chope drogue. requise. Du coup, attends, si je prends ma Ce shop. pirate boit que des grogs extra forts. Voilà la pochette de 8. Ah ouais, on peut faire des moves et tout. Pirate assoiffé. Où est ce satané cuisinier? Mon équipage et moi sommes plus déshydratés que la plage du rocher. Ah. Je vais te raconter une anecdote sur le cuisinier d'ailleurs. Ouais. C'est un mec qui adore normalement son balai. Ouais, et donc ils ont tous soif, visiblement. Ouais, ils boivent que des trucs extra forts, il faut trinquer avec eux. Et tu peux toi lui voler la pochette, t'as fait ou pas? T'as la clé de la tour. Non, non, parce qu'en fait, il faut les tous les bourrer bourrer la gueule. Clairement. Ah oui, d'accord. Tu vois, ils sont Ok. tous assoiffés, donc à mon avis, tant qu'ils ont pas tous bu. Là en haut. Claude qui danse avec ça. Au chef des pirates. Non. Qui parle? Ah, mais oui, c'est le crâne. C'est vrai.
since they last set me sockets on a pirate. Though I could swear we've crossed paths before. Ouais, dans le jeu, tu les vois. But never mind all that. You'll be here to undertake the three trials, I'll wager. The three trials! Les trois épreuves. That takes me back. I want to be a mighty pirate. Where do I collect my hat? Well, if you're here to prove your worth to us, too bad. We're no longer in charge around here. Aye, and what would be the point? There's not a pirate wannabe alive who could hold a candle to the legend of Monkey Island. No, please, not the speech again. The mightiest pirate to ever weigh anchor! Scourge of the Caribbean, terror of the Tri-Island territories, master of a thousand insults! A man who could hold his breath for 60 minutes! Governor Guybrush Threepwood! Ah, all that toasting of the governor's made me thirsty. Time for some more grog! 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 Moi j'ai bu avec eux. Pas vrai. Voilà, ensuite, vous avez la suite de l'idée, je vais vous donner ça. Vous êtes le palais du gouverneur. Vous avez décidé de tenter le coup avec les gardes du gouverneur, alors, eh bien, vous ne pouvez pas rater l'endroit. Arpentez la ville et passez sous le porche voûté, la tour de l'horloge pour trouver un chemin à flanc de falaise qui mènera directement à la porte du gouverneur. Vous pourriez le penser. Mais le fait est que les gardes que vous refouleront si vous n'avez pas l'invitation officielle. Maintenant, j'ignore si vous avez. En particulier, comme spécialisé la recherche de ce qui vous est nécessaire. Pardon, tu m'as cassé. Ça, ils ont beaucoup à dire, alors j'hésite à tout lire ou pas. Le jeu, c'est pas censé être un peu comique? Si, quand même. Ah, si, 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 pas. Toutes les sociétés. Voulez-vous dire, les fournisseurs de thé, de soie, de ce genre de choses-là? Nous ne leur permettrons pas d'opérer ici sur Mélie. Un pirate doit manger. Cependant, nous embarquons dans des cargaisons de marchandises d'autres îles. En fait, l'une d'elles a coulé dans les eaux du port l'autre jour. Bah, à quoi elle ressemble à un marchand? Tout ce que je sais, c'est que le gouverneur dirige très bien cet endroit. Nous ne manquons jamais de vivres. Si vous avez de la fringale et que vous manquez d'argent, vous pourrez toujours trouver une canne à pêche et essayer de vous dégoter de quoi dîner ainsi. Ouais, donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait, mon appel outil. Nous avons tous subi les trois épreuves il y a bien longtemps, et nous sommes devenus de puissants pirates quand le succès était encore possible pour de simples mortels. Quand vous posez la question, je vais vous confier un petit secret. Le truc pour être commande, c'est de vous donner de l'importance. C'est pourquoi nous avons pris la meilleure table de la maison, nous sommes alignés ici, tête des élus. Eh bien, inutile d'être assis à ce sujet. Pas mal d'autres pirates auraient aimé y penser avant. Il y a un crâne qui parle derrière vous. Ah, ne lui prêtez pas attention, sinon il tiendra le crachoir toute la nuit. Il prétend venir d'un lieu nommé Sailor Graves. Dieu seul ou c'est tout. Seulement quand il débute par un chant de marin, je n'ai jamais entendu un assaut si peu mélodieux et talentueux contre les arts de la scène. Il prétend que c'est le mieux qu'il puisse faire en raison de l'absence d'un ensemble complet de cordes vocales. Mais si vous voulez mon avis, il le fait juste pour attirer l'attention. Bon, je vais parler à un. Je propose c'est d'aller voir le cuisinier avant d'aller... Ouais, parce que le cuisinier. Alors tout à l'heure, quand j'étais bloqué, ouais. Je t'ai fait chier. En fait, quand là, j'ai vu prendre Murray. Et c'est quand tu le prends, c'est les autres pirates derrière ils parlent. Ah oui. Ils veulent pas. Captain Moggy, qu'est-ce que vous avez à vous en parler et que ça se trouve. Qui êtes-vous tous les deux exactement? Pareil, il parle à ma place. Ah. Je sais pas si toi tu les entends parler, moi ils parlent. Ah non, parce que j'ai pas parlé avec lui. Effectivement. At least I can remember my own name, not like some other skulls I could mention. And one day I shall return to the waves to unleash a new reign of chaos. Sure you will. But for now, we provide what you might call in-house entertainment. Telling jokes, hurling vile insults at pirate wannabes, and enthralling folks with tales of skullduggery. And misdeeds. I'm just here for the insults. You stink. Je suis juste là pour les insultes. We're still workshopping some of our material. Mais vous êtes utilisé comme décoration. We are the esteemed skulls of scum, stars of the most disreputable tavern on Melee Island. Aye, this be a place so foul.
Even the roaches have to hold their breath. The floorboards are rotten. The tankards are rusty. And half the customers will run you through just for the fun of it. What's not to enjoy? In all my centuries, I've never found a better place to hang my head. Excuse me. I've got something in my eye hole. Oh, don't you dare start blubbering. You can be so... Je sais pas si tu fais aussi, du coup, si t'écoutes un peu ce qu'ils disent. Non, pas du tout. Well, maybe that holds parle beaucoup, en fait. Like ouais. Sea of Thieves. But pirates in these parts hold themselves to a different standard. Time was, you could earn the approval of the pirate leaders here by completing their 3 trials. But that was then, and this is now. The only way they'll respect you is if the governor himself declares you to be a worthy pirate. Good luck with that. Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. His guards keep things running smoothly. Of course. What could happen to the legend of Monkey Island? If you ask me, he and his missus are off on some grand adventure. And if you ask me, Threepwood's gotten himself locked in a closet somewhere. And good riddance. Just ignore him. If anyone knows how to meet the governor, it'll be that set of ouais, ça permet depuis un an de son manoir. Bon. Ça. Allez, on va aller voir le cuistot. Il a pas exactement la même tête. Hey, you shouldn't be back here. Ça, vous n'auriez pas de retour. Qui a raison l'empêche d'y être. Ah, il parle aussi en fait. Hein. Ah, il parle aussi, ouais. Juste avoir un maître que au travail. Right. Well, I guess you can look around, but don't touch anything. I'm trying to work on a signature dish. I want something fiery and hearty, tough yet tender, just like the legend of Monkey Island himself. Too bad I'm still missing one of the ingredients. Meat stew. C'est comme dans le jeu. Dans le jeu, je crois qu'il faut aussi choper des ingrédients pour sa recette. Ah. And have this special ingredient, like I was told. Sure enough. The lady sure enough. Shop stopped by before ah non, c'est ah, c'est pas traduit. With a box of root beer sprinkles. She told me to add them to the grog and anything I cook to provide us all protection against insidious supernatural threats or something. Don't know why, but I hate to see good grub go to waste, and they don't taste half bad, so into the cooking pot with them. Je cherche du travail. Okay, alors, qu'y a-t-il au menu? When I can find the time to spice the meat, chop the veg, and add this special ingredient like I was told. Sure enough. The lady from the she told me to add. Don't know why. Can't help you there. I've just hired a new assistant, and they should be starting today. Assuming they show up for work. Don't know what the delay is all about, but I hope they remember to pick up their uniform from the general store. I've had it reserved all week. Of course it matters. Cooking's a messy business, and you need to look the part. I just hope they get here soon. I'm rushed off my feet as it is. Soon as they arrive, I'm going on my break. Mais qui pense que ça? Yeah, in the barrel. But don't think you can just go helping yourself. It's the expensive, extra strong governor's special reserve. I got a batch of it in stock in case the legend of Monkey Island ever stops by for a drink. Think of all the tourists he'd attract. But you need a strong stomach for the stuff, or he'll be out cold before long. Ouais, tu vois, c'est ça. Il y a un Tony Croc, ils vont tous s'en aller. And don't touch anything. Ouais, c'est ça, c'est des trucs violents. Ouais. Mais alors pour l'anecdote, ce gars-là, alors il aimait bien son balai. Il était censé lui chercher un balai, mon gars, pour apprendre à justement passer le ménage et tout. Et en fait, t'as une forêt au-dessus. Et en fait, t'arrives et tout, donc tu dois traverser la forêt avec une carte, machin et tout. T'arrives en haut, t'as tous les animaux qui sont en paix et tout, et t'as un énorme sapin ou je sais plus quoi, magnifique, tu vois. Et t'es là et tu déglingues le sapin pour faire ton balai. Et t'as toute la forêt après qui est toute triste et tout, avec l'arbre détruit, mon gars. T'as détruit la civilisation, ça va, ça me termine. T'avais une phase comme ça dans le jeu. C'était juste pour faire un balai. Ouais, juste pour faire un balai.
tu détruisais un arbre, mais un arbre immense, parce qu'en fait il s'y reprenait plusieurs fois, je crois. D'accord. Et du coup tu détruisais l'habitat naturel tout, puis après t'avais tous les animaux qui étaient tristes, machin. Ingrédients nécessaires pour t'amener le ragoût, donc tu feras qu'on chope un truc. Le chien ne sera pas assez client de toucher sa cuisine. Ah, on peut rien faire, on peut interagir avec que dalle. Ouais. Pour l'instant, en fait, il va falloir qu'on trouve le truc pour son ragoût. Donc, ça, en fait, ça reprend un peu comme dans le jeu, en fait. Tu fouilles, ils te disent des choses, et toi, tu sais que tu vas devoir choper telle ou telle chose, en fait. Et tu, après, c'est tu peux te démerder et explorer. Donc, j'aime bien. Ils ont gardé un peu ce côté énigme, finalement, un peu. Puis, t'as pas de suivi. Ouais, ça, t'as pas de quête activée, c'est juste. Tu parles aux personnes pour savoir ce que tu dois faire. Je sais pas toi, mais moi, j'aime bien. Ah, pour l'instant, j'aime bien aussi. Là, je fous juste un endroit, je me dis qu'il y a peut-être un truc planqué, non? Ou pas? Ou pas. Bon, écoute, on découvre... Pas comme il faut, hein. Je crois que... je crois que c'est pas la bonne méthode d'exploration. Vas-y, je redescends, je vais aller voir en bas. Ça, c'était pas ouvert, on est d'accord. Je sais pas où était la porte. T'es que siège. Oui, la porte de ce truc. Ah là. Non, on peut pas l'ouvrir. Ça non plus. Non. Du coup, il doit y avoir des pièces et des trucs un peu partout, j'imagine. Ah là, il y a une pièce. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on voit le nom qu'on a, mais on a l'air de les cumuler, je pense, chacun pour. 4 pièces de 8. Ouais. Là, je sais pas trop non plus. Pas marqué dans l'autre. Ah, si, regarde! Dans l'inventaire, là où t'as tes quêtes. J'ai une bourse de 15. Ah oui, effectivement, j'ai une bourse de 15 aussi. Ce que tu ramasses compte aussi pour moi, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Là, y'a que dalle. Je trouve qu'on rentre un peu. Ouais. Comme dans ta femme. Oh. Oh. Ça fait mal, non? Ça pique un peu, hein. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste un bouchon. J'ai envie de fouiller partout, mais y'a rien. Attends, si, là y'a des pièces. Par ça, t'es pas parti au même endroit et toi y'a des choses. Y'a forcément quelque chose ici. Une fontaine. C'est vrai parce que du coup, ça, je crois que j'ai jamais réellement vu cet endroit. C'est... Tu passes d'image en image. Ah, alors. Oh. Ah, Serge Mignon, 60 pièces de 8. Figurine sculptée, réservée. Cet objet n'est pas à vendre. Ah, merde. Examiner l'histoire, 200 pièces de 8. Mais rien n'est à vendre. Ah, ouais. D'accord. Mais du coup, on peut rien acheter. Sorry, but these items here, they're display marks. Ah, ce sont des exemplaires d'exposition pas de vente. Hey, it's not my fault these Legend of Monkey Island action figures are hot property. My latest. Ah, ce qui est coulé dans un bac à air. Ouais. Donc là, déjà, on sait que cuisinier va falloir terminer sa recette pour avoir accès à sa cuisine, pour avoir accès au grog. Ouais, et là, tu sais qu'il faut qu'on trouve l'outil pour la caisse pour celui-ci. Oui. Il faudra plein de pièces pour ça. Ah, c'est sa caisse en fait qu'on a repêché. Ah, j'avais pas capté. Ouais. Only one in existence. But I can tell just by looking at you that you can't afford such a sought-after item. Maybe we can work out some kind of deal. Tell you what, if you can bring me my I'll not only give you a ticket free of charge, I'll be able to parler à l'homme à la morale douteuse. Deal? Deal. Now, get going. Comment ça? T'es où? À côté, bah juste à côté. You're lost? Well, then you're coming to the right pirates. We know pretty much everything that happens here on Melee Island. At this time of night, probably the only place with an open kitchen would be the scum bar. But good luck getting inside. The chef's a real stickler for the rules. If you're not the new assistant cook, you aren't getting anywhere near the cooking pot. Well, you could try begging a gunpowder gummy off of one of the governor's guards. Donc c'est dans l'épicerie, je crois qu'il y avait la veste. Ouais, je crois.
Ah, up by the island lookout, no question. Là, il y a garde du magasin. Il y a deux autres gardes du magasin. Il y a deux magasins en fait avec des gardes fantomatiques devant. Not much reason to head up there though, unless you're planning to swindle a few pieces of eight out of the lookout. Ah, il y a des pièces de 8 à récupérer. A ship full of valuables went down in the harbor here. Un navire rempli de biens précieux coulé du port. Ouais, donc encore une fois la caisse. Even if you could find a way to raise its cargo up out of the water. Ah, l'outil. The proper tools to crack it open. Some parts of the town are still being renovated. Who knows? Maybe you can swap. Ah, donc j'ai des parties de la ville qui sont rénovation pour effaucher un truc là-bas. Oh, those poor doggies. Parce que t'es très proche. Il y avait une prison qui est en rénovation qu'on a vu sur le plan tout à l'heure. I can't help it. There's just something about these guys that. J'hésite à tous les faire parce que ça a l'air d'être long. Ah non, que lui c'est rapide en fait. The governor's guard dogs get tormented by the guards, you see. They've lost all the fire in their little bellies. I bet if they scarfed down a hearty meal, they'd soon be back to their nasty old selves. Of course we do. My favorite is the old top-up trick. What you do, see, you wait for your shipmate to get distracted. Then you pour some grog from your tankard into theirs without them catching you. They'll be snoring before you know it. That's when you sneak away and leave them to foot the bill. Let me guess. Ah, attends, il parle de l'horloge. Ouais. Another pirate wannabe looking for easy answers. Well, let me tell you something. I highly doubt it. The governor hired a man. Ah, il faut la clé de la tour de l'horloge aussi. Ouais, et j'ai vu que tu peux la faucher dans le bar, mais pareil, il faut être bourré la gueule à l'autre. Ouais. He's going to lose the clock tower key one of these days, and then, well. I suppose not much will actually change around here. Ah, faut vraiment qu'on ait accès à la cuisine en fait. Hein. Ouais. Night owl, eh? Well, the general store's a little ways down the high street, but the storekeeper. C'est bizarre de voir des gens comme ça. Les gardes des magasins, mec. C'est des fantômes, mais squelettiques. Ah oui. Pirates can't help but squirrel away their spare change. It's sort of what you might call one of those compulsive reflexes. Là, je parle un peu à tout le monde. You should check all the crates and barrels you find. You never know. Je t'avoue que je lis les phrases et j'attends pas qu'ils finissent de parler en fait moi. Ah moi pour le bien du truc. Ouais. Vous êtes un groupe louche. Bien sûr que nous le sommes, through. But on melee now, the really. They say the governor hired someone to fix up the place. They didn't want to. Ah, attends, c'est quoi? Now, they say they didn't want to. Eventually, they. Il n'a pas rangé ses outils, d'accord. Ah ouais. Parlez aux gardes du magasin. Ah, c'était plus le magasin de cartes stupides. Oh non, le magasin de cartes. Ah. Il y avait plein de cartes et tout, il y avait des trucs complètement débiles dedans. Mais genre des cartes partout, dans tous les sens, avec des formes de toutes différentes. D'accord. Et là, normalement, t'as la prison en face. Là. Ah non, ça, c'est la vaudou. Wait just a second. By order of the governor, mischievous potions and all forms of mojo magic are now banned here on Melee Island. That means this shop is permanently closed for business. Là, pareil, t'avais une madame vaudou qui veut en des plein d'objets magiques. Et finalement, je crois que le coffre magique du jeu que tu devais récupérer, il était dans ce magasin-là depuis le début. Un truc trop débile. D'accord. Ah, du coup, je sais pas. Ouais, je pense qu'on ira avec les mecs ça à un moment donné. Ouais, il y a des chances. Ouais, l'horloge est pas à l'heure. Ouais. Donc là, c'est le magasin de détail des choses utiles que pourrait aider à atteindre Guybrush. Ici, apparemment. Ah, c'est vrai que t'as le. Ouais. Alors, on a le plan. Sans caisse. Là, on vient de passer sous la tour de l'horloge. Et la prison en cours de rénovation est au bout. Ouais, c'est et ça, c'est là qu'on devrait. Il y avait un mec, je crois, qui vend des assurances ou une connerie du genre, mais complètement teubé aussi, ce gars-là. Ah, je suis rentré dans le magasin des choses utiles. Hein. Ok. Keep your hands off the display cases. I just polished them. Well, all my wares are right here on display, save for the reserve stuff. Feel free to browse around, but don't touch anything. Les mèches pour bonbons de la poudre à canon.
course. I deal in pieces of eight, just like everybody else here on Melee Island. And before you ask, no, I don't offer credit. Find me some silver or you'll be going home empty-handed. Nice try, but I don't think so. This is a general store, not a pawnbroker. D'accord. Well, money's still money no matter what time it is. Besides, leaving your store unattended on an island full of pirates is usually considered a bad idea. You have no idea how many swords, shovels, and other nautical accessories I had go missing when I was out running my errands. Now, there was a time when I might have taken a moonlight stroll to go and see. Wait, wait! That's nobody else's business. Ruff! Oh, so you're the new cook for the scum bar. What? Nice job burning down that cargo ship. Well, the costume was never paid for, so if you still have a job to go to, you'll need to settle the bill. You best hurry, or somebody else makes me an offer. There's a chest over there you can use to change clothes. Free of charge for paying customers. What? Turn my back so you can pocket whatever's in my safe? You must think I was born yesterday. Franchement, on peut pas l'arnaquer. Visiblement, il va falloir payer. Examiner l'uniforme du chef. 45 pièces de 8. Coffre de vêtements. Ouais. Donc c'est une fois qu'on a acheté, je pense qu'on va changer. Ouais. Alors est-ce qu'il y a un moyen de lui détourner l'attention? Je sais pas du tout. Examiner le mèche de bonbon de poudre à canon. 70 pièces de 8. Ouais, je sais pas ce que c'est que ça. Ce sont des amorces. L'épée du puissant pirate. That's a special order. Some kind of cook uniform for the scum bar. Probably just... Dès quand tu parles et tout, tu fais un commentaire. Examiner le canard en plastique. Ah ouais, il y a un DR de canard en plastique aussi, c'est vrai. Oh purée, ça me rappelle des trucs. Il est à l'étage. Il y avait un délire avec ça. Plein de choses utiles, effectivement. Ah, j'ai pas pensé à faire examiner sur l'uniforme. It's modeled on the famous contraption used by the legend of Monkey Island. Sold out right now, though. L'objet n'est pas ça. D'accord. Du coup, faut continuer à explorer pour trouver d'autres pièces. Ouais. Tant qu'on a pas de pièces. L'église. Cherche, Vincent, cherche. Cherche. T'auras du chocolat. Oh. Oh, patron. Est-ce que vous pensez à aller? Je suis ici pour voir le gouverneur. Il faut une invitation officielle. Donc ça m'en est probablement okay. Aussi. Ouais. Ah non, c'était l'autre qui revendait, il a parlé d'un... Ah, je sais plus. Allez, là, la prison. Ouais. Il y a un mec dedans. Oh. Vous voyez, un objet très fort pourrait passer dans le temps. Oh, il y a un mec. Ah ouais, parlez au mec. Je suis capitaine Coco à qui parler. Comment, quoi? Marteau à griffes découvert. Ah ouais, bah c'est avec ça qu'on va pas attaquer. Oh, there was a little misunderstanding after I came back from Monkey Island. I came in a little too fast and smashed up the jetty pretty bad. On va peut-être choper de l'or aussi dedans. But it wasn't my fault. You ever try to sail a galleon crewed entirely by monkeys? They emptied out my bananas, ran off and left me to take the bait. Naviguer sur un galion quand l'équipage est composé de singes. Sure have. Effectivement, ça doit être compliqué. Okay. On dirait toi quand tu fais quand tu disais un brigantin avec moi. Ouais. Après qui est le singe, qui est le capitaine. Nous nous dirons. Hein. Yep, anytime now. And it's not like I'm alone this time. Captain Coco and I keep one another company. Captain Coco. If he didn't have me to talk to, he'd have lost his mind. J'ai l'impression qu'il aurait perdu la tête. C'est une autre Coco. Je tiens à le rappeler. Where? Oh no, that's Captain Coco. He was my first mate on our journey back from Monkey Island. Say hello, Captain Coco. Hello. Oh,
Les questions se bousculent, tu m'étonnes. Captain Coco and I met back when I was stranded. Our monkey crew didn't trust me back then, so he was my only friend. And we've been inseparable ever since. Hey! I don't know how it is where you come from, but eating your shipmates is not okay. I'd sooner go back to snacking on rats. That would be great. But I don't know how you would. Le chef a les clés pour l'ouvrir. On a dit qu'il va falloir le bourrer aussi. Ils n'ont pas versé le public, les gardes du gouverneur sont arrivés. L'objectif là c'est de tous les bourrer. Ouais. Ah, les serrures sont assez rouillées, mais peut-être on a mal. Captain Coco, you are a certified genius. Oh shucks, you say the nicest things. Merci à vous deux. Good luck. C'est plus où te placer avec un débile comme ça. Ah, on n'a pas ouvert la porte de l'église, on n'a pas été voir. Ah ouais. Donc toi, t'as récupéré déjà un objet qu'on va pouvoir... Ouais, tiens, regarde. Ah d'accord, c'est carrément un objet... Ouais, c'est un objet comme ça. Ah ouais. Et t'as la porte de l'église, celle-ci. Là, l'église, elle est là. Avec les vitraux. L'église. C'est multicolore. Bah, ça ressemble à une église. Wow. On avait la même pensée quoi. Là il y a une pièce. Oh la pièce c'est. C'est les aumônes. Ouais, j'allais prendre une pièce mais j'ai été que siège. Moi aussi. Oh des pièces. Oh. Ils sont riches hein, les prêtres ici. Hein. Oui. Oyez oyez mes enfants. Nous sommes ici rassemblés en ce jour. Mes amis, mes frères. C'est dommage que j'ai pas un effet d'église. Ouais. Mes amis, mes frères. Ouvrez votre Bible, page 449. On se retrouve ici pour l'union de deux personnes. Oui. Tuff Steeler et son marteau. Son fidèle marteau. Qu'il n'hésite pas à se taper sur la tête à la moindre occasion. Ils se sont rencontrés alors un jour, dans une prison. Alors un jour, j'ai grimpé. Quoi ? Ah mais il y a un truc ici. J'ai pas parlé, ça y est, parlé tout seul. Caniche Piranha, cette fois. Caniche Piranha. Ah ! T'as vu, il a un truc derrière, il a des sortes de bons. Ouais. Donc, comme on est, il va falloir les nourrir. Oula, oula, attends. Oula. We guard the governor now, not you pathetic pooches. So get used to it. Now move along and don't start any trouble. I'm on break. D'accord. Caniche piranha. Possible de faire les poches à des pirates sur leur garde. Viens dans la rue, sombre et étroit de toute façon. C'est vraiment... Sombre et étroit. Ah mais ils rejouent du coup. Ouais. Une image de chien vide, ils doivent être affamés. Possible de faire les poches sur les pirates alors sur le garde. Pauvre toutou. Faut les nourrir pour qu'ils aient la niaque. Tu sais que ce chat là on peut l'avoir. Ouais mais c'est moche. Oh je trouve trop mignon quand ils sont apeurés comme ça. Qui queen là. On va aller péter la caisse de ses morts là-bas. On a tout fouillé et tout. Bah après il reste peut-être des pièces. On en a 38. 38 en vrai. Ah, il en faut 45 pour le truc de cuisinier. C'est vrai. On va peut-être en avoir avec la caisse. Tu sais qu'on n'a pas fait de l'autre côté aussi. C'est vrai qu'on n'est pas parti plus loin là-bas. On pourra te faire après. Là ça monte, c'est pas loin la forêt. Forcer la caisse. Allez. Oh, l'avis de livraison. Un citoyen le mêlé. Ouais, c'est l'autre gars.
Booty Island Antique. Bah, je propose d'avoir qu'on aille fouiller là-bas, non? Avant d'aller. Ah, moi j'aurais rapporté tout de suite. Bah, de toute façon, ça se tranquille. Vas-y, vas-y. On va aller fouiller de l'autre côté tout à l'heure. Couvercle utilisé. T'as vu, il y a des trucs d'encre un peu partout aussi. Des trucs d'encre? Il y a des. Comment est-ce qu'on dit? Des fioles avec de l'encre. Partout, posées partout. Ah oui, oui. Ça me perturbe. Si des l'encre pour les stylos plumes. Ouais. Hey, that's my cargo. I thought it'd be fish food by now. Looks like I'm back in business. This meet and greet ticket will get you an audience with the legend of Monkey Island. Only one in existence. But I'd say you've earned it. Oh. Il y a le truc de Willy Wonka. C'est ça, le ticket. Attends, il est là. Ah oui, effectivement. Ne vous laissez pas arnaquer par les gros. Retrouvez-moi au coin de la rue pour discuter de mes précieuses marchandises. Ticket Meet Green Greet. Le seul bon, donc ça, on l'a eu. Singe en peluche, un joli souvenir de votre voyage. J'ai livré l'histoire de l'île de Mélis. Ça fait bien sur une étagère. Visitez le magasin de détails, dépêchez-vous, une ferme du chef, mèche de Deluxe, poulet en caoutchouc précommandé, épée de puissant pirate, pas d'opportunité d'échange. D'accord. Et de l'autre côté, on peut voir qu'il y a le guetteur, et le guetteur, on pourrait lui voler des choses aussi, visiblement. Magasin de détails, uniforme de chef, ah j'ai pas vu, mèche de luxe, poulet en caoutchouc précommandé, et précommandé. Du coup, avec le ticket, je pense qu'on pourra avoir le garde et puis lui pointer sous le nez. J'imagine. Peut-être. Alors, de l'autre côté, d'abord. On n'a pas eu de piécette. Non. Non, non, non. Je vais à droite avec moi, s'il n'y a pas des choses, mais. Que je fais aussi. Pas l'impression. Il y a des plaques, enfin des assiettes par terre. Avec des os. C'est quoi dedans. Ce chemin relou là? Fais du gauche-droite, gauche. Ah oui, par contre, comment tu montes ça? Tu montes. Et puis voilà. Le guetteur est guette. Eh ben. Ça monte, hauteur, hein. Dites-moi. C'était plus facile dans le jeu. Il suffisait juste de cliquer à droite de l'écran, puis hop. Ça téléportait en haut. Et badaboum. Badabim, badaboum. Squalala. Là. J'aime bien les 2-3 cordes qu'ils mettent sur le côté à gauche. Ouais, ouais, histoire de dire. Que... C'est vraiment 2-3, tu sais, mais après, il n'y a plus rien. Ouais. Hache. Yeah. Notre personnage a une endurance. Ouais. Oh, un vieux. J'allais parler à sa place. Ah ouais, c'est pas trop mal qu'il parle tous. Je pense qu'on fait en sorte, vu qu'il y a beaucoup de dialogues secondaires. Jour 2, passer en mer. Well, usually it's guards nowadays. Your ship. No offense, but that's barely a rowboat compared to the sort of ships made famous by the legend of Monkey Island. Ha! Your ship. The Sea Monkey. Well, now that was a ship worth talking about. A fearless crew, a gallant captain, and the largest cereal supply you've ever seen. Eh, I don't so much care for chatting with the folks in town. Most of them just sit around telling tales about the legend of Monkey Island. I'd just as soon tend them a fire and stay out of trouble. But if you're looking for excitement, you should stop by the Scumbag. You what? A ship, you say? Ooh, this could be serious. Ah, je t'ai peut-être fait. Je sais pas si t'as fait tes clés sur la ligne. Was, they're gone now. Yes, I'll keep my eyes open. Ah, c'est pas pour détourner son attention pas... Ah, le... oui, les doublons.
Voler la pochette. Parce qu'en fin de compte, quand tu cliques sur le troisième onglet, regardez là-bas, il y a un bateau. Vas-y, fais-le. Ah ouais, je vais voler. 12 pièces. Oh, 12 pièces. La violence. Excellent. Are you sure you saw a ship out there? Oui. Excellent. Oh, regarde bien, papy. Oh, mais mec, il y a un autre côté de l'île en fait. Ouais. En fait, il y a un cirque. Oh, par contre, le cirque ne me parle pas. Ça, c'est un truc que je n'ai pas vu dans le. Oula. Ah, on peut pas courir par là. Ah oui. On n'a pas le droit d'y aller en fait. Ah ouais, c'est. Ah oui, c'est ATP. Alors parce que moi je sais qu'il y avait une forêt et tout, puis il fallait se guider pour le balai, puis t'avais un autre côté de l'île. Alors là tu vois, tu vois le truc du gouverneur ici. Bon, en fait c'est gigantesque comme île. Ouais. Mais normalement t'avais un endroit aussi qui était abandonné, alors peut-être que l'île sera pas, mais là je le vois pas du tout avec la brume. Ouais. C'était plus de l'autre côté en fait vers le cirque. Par contre le cirque, ça j'ai pas vu de cirque dans le jeu de base. Enfin dans le jeu que moi j'ai fait. Peut-être en rapport avec d'autres jeux. Et là, il y a une tyrolienne et tout. Je crois que c'était là-bas. Là-bas, il devait y avoir un truc et tout. Il y avait un antiquaire aussi. Qu'il fallait voler dans le jeu. Donc là, on a combien de pièces, Vincent? Ah bah là, on en a 50. Je me suis brisé, je joue Vincent. Moi aussi. 50, on peut acheter l'uniforme alors. Ah bah là, oui. Est-ce que ça passe de sauter là? Ouais, je suis déjà en bas. C'est bon, moi j'ai accédé à des zones pénétrables. Est-ce qu'il y a moyen de glitcher? Le problème c'est que j'ai la jambe pétée. Je pourrais attendre qu'elle se pète plus. Je suis pas sûr que t'as moyen d'accéder à des zones là. Ah, moi je suis à la boutique, je t'attends devant. Attends, parce que moi j'ai accédé à des zones qu'on devrait pas. Des zones mystiques. Bah tu sais, en fait depuis longtemps j'ai sauté sur les toits en fait. J'ai fait le même genre de casse-couillerie. Il n'y a rien. Mais attends, mais t'as moyen de contourner et puis de passer derrière en fait. Attends. Là Vincent, il n'y a plus de gardes en fait qui tiennent. Ça a été calculé ou pas? J'ai goûté, il y a même pas un histoire avec un machin, un truc là, t'es sérieux? Ça paraît bizarre quand même. Ah, il y a un mur invisible derrière le garde en fait. Sûr. Moi je peux pas passer derrière le garde en tout cas. Ouais, mais là moi où je suis, si ça se trouve, moi je peux passer, mais après j'ai peur de me retrouver bloqué en fait. Après tu peux toujours sauter dans l'eau puis faire le tour, pas à la nage. Vas-y, pour l'expérience. Vas-y, reviens, essaye de revenir, voir si tu peux. Non. Ah! Ah bah non, bah je te l'ai dit. Là du coup. Et là il y a une échelle en fait, ça se trouve toi tu peux y fixer aussi en fait. Bah je vais pas aller plus loin, je vais y revenir. Bah oui, mais là du coup je vais les bourrer tout seul alors. Non, tu peux même pas. J'arrive. Ah oui, tu peux sauter à l'eau quand même. Ah oui, d'accord. Parce que je te dis, en fait, il y a une échelle, t'aurais pu grimper en fait et venir par là aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un moyen quand même. Ah, de passer. Ouais, mais bon. Oui. Après, tu récupères pas toutes les pièces, t'es pas gagnant à faire ça. Non. J'arrive. Eh ben, il serait temps. J'arrive. D'échelle, t'es sérieux? Ah si, ouais. Au bout du pied. Bon, allons mettre de la joie de vivre dans ce bar. Est-ce qu'il y a des trucs dans l'eau? Tiens, donc j'y regarde. Non, je vois rien. Vincent, qu'est-ce que tu fais derrière? On saute derrière. Je te vois. Je vois derrière. Moi je suis au scum bar. Pourquoi t'es au scum bar? Ah oui, tu veux acheter. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut l'uniforme. Bah oui, faut acheter l'uniforme. C'est vrai que j'y pensais plus. Je crois que.
Après, t'aurais pas besoin de venir, je pense que je le prends, ça marche pour nous deux. Ah non, faut que tu changes de tenue aussi, je pense. Ouais. Donc t'as pas le choix. Par contre, petite question, pour la fable, là on peut pas arrêter. La fable en plein milieu, je suis pas sûr. Tout à l'heure, on a eu un point de sauvegarde quand on a fait l'autre, donc je sais pas. Peut-être sur la table, il y a peut-être moyen, peut-être un truc. Ouais, point de sauvegarde de la fable du Fulbustien enregistré dans votre inventaire de quête. Ah bah oui, du coup. Je viens de perdre plus 10 en plus 1000 en charisme, mec. Attends, regarde, on en parle. Ouais. En vrai, toi, attends. Ça te va un peu mieux qu'à moi. Ouais. Pourquoi? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? Ouais, c'est le look du cuisinière, ça me va mieux. Regarde, moi, en vrai, c'est... Regarde, moi, ça me va bien. Ah mince, j'ai bougé. Ah, j'ai bougé. On monte pas du doigt, c'est mal poli. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y a rien de... En train de m'endormir. Non, du coup, c'est tout traduit en anglais et tout, y'a rien qui là. Ouais. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, allez. Saucissonnade et magret de canard. Ah, va falloir que je remette ma tenue après complète. Mais non, t'as juste enlevé la tenue. Ça, c'est un équipementier. T'as juste enlevé l'équipement, puis c'est bon. Ouais. Ta tenue est toujours en dessous. C'est vrai. Vraiment ce mec, hein. Ah, mais lui, c'est le meilleur. Cool. Je me demande comment il est monté là-haut. Ah, tu me dis, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ah, en fait, tu montes sur la table et puis tu montes là-haut, puis c'est bon. Mm. Allez. Oh, so you finally decided to show up, huh? Well, you can make yourself useful and start on the meat stew. The recipe's on the table. I'm going on my break. Don't let the customers touch anything, especially not the grog. Tu veux pas le grog, hein, Marcel? Vas-y, gratte-toi. Oh la vache, comment il marche. Waouh, comment il marche. Oh waouh. Attends, il est par où? Ça, ça pose, hein. Comment il est parti en marchant? Coupé des oignons. Alors, si tu me le permets, moi j'ai envie de tout de suite aller les beurrer. Parce que s'il en pose, c'est qu'il va pas revenir tout de suite. Ah, vas-y. Hein. Donc tu prends ta chope et tu remplis avec ça. Merde. Elle ouvre la chope. Il cherche la chope. Non, là, là, le bidon, là. Chercher. Ok. Juste avec ta chope, ah, à toi. Oui. Après, il faut trinquer avec les autres. Regarde, lui. Verser grog extra puissant. Ah, puis là, on lui va. Ah, peut-être encore le servir. Ah, toi, je vais lui servir un verre. Ça marche pas. J'en ai mis là. Hein. Ça y est. Oh, 35 pièces, mec. Oh la vache. Ah, faut tous les beurrer. Moi, j'ai déjà commencé. Hein. Des allers-retours. Je crois que t'as pas besoin parce que moi, j'ai l'impression que. Une fois que t'en as, en fait, c'est bon. Ouais, tu vois. T'as plus besoin d'en chercher, en fait. Une fois que t'en as cherché une fois, t'as plus besoin d'en chercher. Ah, tu lui verses à l'infini? Ouais. Waouh, il est tombé sur la table. Ah oui, d'accord, effectivement. J'ai la clé de la tour de l'horloge. Je la pose. Oh là. Oui. En attendant. Ouais. Ah, lui aussi. Wow, 45 carrément. Pièces. Oh, violence. Ahoy there. Lui dort, lui dort. Bah, c'est bon alors. Bah, ici c'est bon, ouais. Est-ce qu'on peut leur servir un truc? Non. Mec, du coup, on a combien de pièces? À 85. Ouais, mais ça va partir vite, hein.
C'est quoi? Utilisez cette recette pour créer un plat imprégné de la force Mojo afin de protéger la ville contre la magie noire. Vous aurez besoin de ces ingrédients. Pour quelque chose de riche et copieux, utilisez un morceau de viande tendre, une fleur de kadish anthropophage, moulu pour une préparation plus relevée, oignon coupé en dés, un seul fera l'affaire pour une saveur forte et acidulée, un hareng rouge fraîchement pêché sans aucune raison, poireaux coupés en tranches très fines pour que tout le monde soit bien nourri, mais giclées de racines spéciales pour éloigner les morts vivants. Placez le tout dans une marmite pour concocter un festin puissant. C'est le plus tôt possible pour fortifier l'homme et la bête. Prendre la recette. Hop, les oignons. La plante. On a la porte aussi. Quelle est la porte? Il y a la giclée de racinette. Giclée de racinette, c'est très bizarre. Quoi? Ouais. Ah, à mon avis, la mouette, il faut la tirer. Ah, c'est pas con si vous dites. Je sais pas quoi. Comment ça se fait que tu viens de trouver 18 pièces? Dans le placard, j'en ai trouvé. Ok. Et là, du coup, ils nous disent quoi? Ragout à la viande de racinette, canette de giclée de racinette, donc ça je sais pas, morceau de viande, oui, fleur de caniche anthropophage, oui, oignon coupé, oui, poireau coupé, oui, hareng rouge, pêché. Ah, pêché. Je me disais en fait, c'est pour ça qu'on a dû avoir accès à ça. Ça va être long, cette histoire. J'espère vraiment que c'est ça hein, qu'il faut faire. Ah si, hareng rouge. J'ai un doute de comment est-ce qu'on pêche dans ce jeu. Oublie pas, c'est avec tes flèches. Faut que tu tires en arrière avec S. Ah bah déjà, je me suis planté de touche. C'était quoi déjà pour là, commencer à attraper? Alors faut que t'ailles en fait en sens inverse. De là où c'est bon, tu okay. C'est ultra simple à pêcher, mec. Ouais, bah j'imagine ils ont pas voulu faire un truc trop. Et faut remonter la ligne tout doucement, clic gauche. Ah, c'était clic gauche, bah j'ai fait clic droit. Non, clic droit, ça lâche automatiquement. Ragout à la viande de racinette. Ah, si, on a tout mis en fait. D'accord. Je sais pas qui on est censé servir ça. C'est peut-être pour le chien. Voilà, Spiffy, quelque chose pourrait peut-être distraire le chien et le faire lâcher son dos. Mais non, l'os c'était pour les caniches, non? Ah, peut-être. Ou alors la viande c'est pour les caniches. Ils sont affamés. Non? J'ai un doute. Ah, j'ai pas pensé y parler. D'accord, tu peux lui parler, mais il fait que des... Ouais, allez, dis la classe. Ouais, je sais que j'ai un doute. On va aller balader avec le morceau de viande, hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est pour les caniches. Attends, le morceau de viande, qui est-ce qu'il fallait nourrir? Mmh. Allez, devant ça. T'es allé voir les caniches? Je vais aller voir. Le truc, c'est un ragoût qui fait des bulles, quoi. Ah, c'est pour le caniche, vas-y, viens. Ouais, j'arrive. Oula. Venez. J'arrive. Allez-y, roule le relais. J'arrive. Oh, c'est dur. Vous êtes bourré la poire, c'est ça? J'ai failli tester tout à l'heure, mais du coup, j'avais le ragoût, j'ai fait bah, trop tard. Mais comme c'est un truc extra fort, en fait, j'ai voulu essayer, voir. Oh, waouh. Ah, c'est toi qui me plombe dessus. Oui. Waouh, t'as vu, regarde, il commence à... Waouh, mec. Oh la vache, les trucs sont énervés quand même. Ah,
je suis qui vous me Vite, prends sa thune! Prends sa thune! Ah, ils l'ont bouffé! Oh, wow. Ah oui, d'accord, waouh! C'est violent! T'as pris sa thune? C'est bon. Non, j'ai pas pu, c'était ça, voulait pas. On a des bonbons. Et les bonbons aussi, ouais. Plusieurs os manquent à ce squelette. Pas que de bonbons à la poudre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le marchand, peut-être? L'effrayer? Voilà, ah, le morceau d'os! Mec, le morceau d'os! T'as un morceau d'os là? Mais non, mais le chien! Ah ouais, pour le cadavre. Le chien, il a un os et le la tête, il faut la tête de Murray. Ah. Le crâne là qui parle. Bah, je sais pas trop si on achète des choses. Je sais pas quoi faire avec ces bonbons. On a la clé de l'horloge aussi. Hein. Mèche pour bonbons à la poudre à canon. Bah, on a les bonbons, donc la mèche va avec, je pense, non? Ah bah ouais, t'as raison, des mèches. C'est pour ça qu'ils nous donnent des mèches. Parce que l'autre il les bouffe pour les allumer. Et c'est peut-être ça qu'il faut pour distraire le chien. Attends, je les achète. Voilà. Pose-les. On peut rien faire avec. Là. Non. Bah écoute, bah prends-le quand même et puis on va forcément en avoir besoin ou un autre. Donc. Ouais, bah ouais. Bah, on a la clé de l'horloge, moi c'est le seul truc là que je vois actuellement. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah, elle est là l'horloge. Ouais, attends, tiens, j'ai les plus. Ah oui, mais elle est la clé là-bas. Devant le marchand. Ouais, bah je pose la corde avec moi. Hop. Mais oui, t'as raison, les mèches, à mon avis, vont avec, c'est sûr. Il nous reste 48 pièces. Parce que c'est des mèches pour bonbons. Ouais. À poudre à canon, c'est pas ça. Moi je pensais que c'était juste des mèches, mais j'avais pas capté. J'ai pas fait la liaison entre les deux. Prendre la porte de l'horloge, j'ai pas vu exactement ce qu'elle était. Quand t'es en face, sur la droite. C'est une porte qui disparaît dans le décor, à côté de la torche à droite. Oui, là. Celle-là. Très discrète. Oui. Ah, j'ai encore la clé. Pas des trucs et tout, non, y'a rien. Y'a rien, que dalle. Ouh. D'accord. What? Là, faut encore monter. Ah là! Clé ouais, de l'horloge nécessaire. C'est pour ça qu'il nous donnait encore la clé de l'horloge. Et là, du coup, on va pouvoir faire des choses. Ah, oh, mec, il y a un bras! Mais ce mécanisme est coincé, attends. Ah, bah oui, pour l'autre, à mon avis. Voilà, on donc il y a un bras. Bras squelettique. Et là. Et attends, on va pouvoir régler l'heure. Mais sur est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut régler vraiment sur l'heure. Genre là, il va bientôt être 6h. Ou alors est-ce qu'il faut. Comment tu connais l'heure, toi? Bah, avec ta montre. C'est vrai qu'on a une montre. Oh, mec, s'il faut rattraper l'heure, ça va être long. C'est vrai qu'on a une montre dans le jeu, quoi. Bah oui, c'est pour les contrats, c'est pour savoir quand est-ce que ça expire. Ah, t'es long, pas d'habitude. Je l'utilise tellement pas. Mais ça se trouve, c'est pas un autre truc. Tu penses qu'on peut aller là-dedans? Elle est vide. Juste un moyen de se coincer. Bah, en vrai, on a déjà un bras. Ah, tu l'as récupéré. Ah oui, tu l'as. Ok. Bah, tu peux. Attends, on peut aller redonner ça à l'autre là. Et bientôt 7h. Voilà, tu pourrais la faire sonner peut-être l'horloge. Peut-être. Je sais plus ce qu'ils avaient dit. Ah, pour l'église. Après, on a le ticket, on peut faire passer le garde aussi. Hein. Mais oui, mais c'est pas le. À mon avis, je pense qu'on va devoir terminer les trucs ici avant d'aller. Ah, attends, déjà on a le bras droit. Ouais, la tête, l'os, ouais. La tête c'est muré. L'os c'est le chien qu'il a. Tu l'as donné le bras droit au squelette? Ouais. Ok. J'ai un billet Meet Greet, je sais pas, est-ce que je lui donne ou pas? Vas-y, donne-lui.
On va faire ce qu'on peut faire. Alors, voyons voir. C'est pas un authentique. C'est drôle, je pensais qu'on s'était débarrassé. Eh bien, il reste une chose à faire. Voilà que je vous ai réservé pour la prochaine session disponible. Revenez parler à mon collègue après le 12 coup de minutière, tu vois. Eh, quand les poules ont des dents, la tour d'horloge n'a pas fonctionné depuis des années. Et voilà. Tu peux faire. Il a dit de minuit, c'est ça? Les 12 coups de minuit, ouais. Ok, bon, go. En fait, elle y était presque. Si j'ai fait un tour de cadran, faut que je refasse un autre. Ah, tu vois l'horloge de l'extérieur tourner? Allez-y! Ah, surtout, je remonte le temps, en fait, je tourne pas dans le bon sens. Je viens de capter. Ouais. Et puis, il n'y a pas de coup d'horloge quand tu passes 13, 14 et 15 heures. Quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment minuit que ça sonne. 14h30. En fait. Ah non, du coup, 2h. Là, il est 2h. Là, il est 1h. Ding. Et minuit. Ça s'est arrêté tout seul. Bravo! Ça s'est arrêté dessus. Allez. Il y aura trop le seul. Qu'est-ce que. Eh bien, en fait, c'est un changement de car. Oui, voilà, un changement de car. Je ne peux pas vous laisser parce que. Parce qu'alors, mon collègue qui est hélas en retard aurait des ennuis s'il arrivait quelque chose. Piché. Désolé, mais tant que mon remplaçant n'est pas là pour une passation officielle, vous restez ici. Ah, puis il faut remonter le squelette du coup. Bah, tu vois, il fait. C'est vraiment fait le truc, mais en fait. Ouais. Mais on avance. Vu, il faut finir quelque chose. Ouais, il faut quelque chose de fin. Un objet très fin pourrait passer dans ce trou. On n'a pas ce qu'il faut. Après, on a 65 pièces, y a pas un truc à acheter là-dedans? Bah, les seuls trucs c'était. L'épée du puissant pirate, mais elle est pas à vendre. Et le canard qui est là-haut. Et le canard qui est là-haut, ouais. Ah oui, il est pas à vendre non plus. Est-ce qu'on a d'autres... Keep your hands off the display cases. Well, money still money. Ouais. Donc là, ce serait les mèches et les bonbons. Savoir comment est-ce qu'on les assemble. Wait just a second. That means this shop is perfect. Ah oui, ça, attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Les dégager. D'accord, je prends un truc uniforme. Paire de bonbons à la poudreuse de canon. 200. Alors faut les poser quelque part. Et un singe mignon, si on achète un, ça fait quoi? On peut peut-être attirer le chien avec. Aussi. Non, je pense vraiment que c'est des objets que tu peux acheter pour ensuite placer dans ton bateau. Comme une figurine, ouais. Je pense vraiment que ça sert qu'à ça. Je pense aussi, mais... Là, attends, coup... prends quand même l'un des deux, la corde et le... Ou le prends les bonbons. On va voir si on peut pas poser un truc à côté du chien là-bas. Parce qu'il faut le distraire, en fait. Ouais, donc peut-être que... oui, ouais. Il y a peut-être un endroit où tu peux les où t'es censé les poser. Parce que là, c'est savoir comment est-ce qu'on utilise ça, quoi. Peut-être qu'en les posant quelque part, ça va marcher tout seul. On peut les poser nulle part? Non. On peut prendre le ray. Il y a du pain sur la planche. J'avoue pas trop savoir. What business do you have with us now? Speak. Est-ce que tu le poses près de la cheminée? Non.
Non, ça les pose devant. Ah mais alors, faut... Comme le truc qui est écrit sur le chien, faut le donner directement au chien, je pense. Nous sommes Kiblo. Qui l'eût cru? Qui l'eût-tu cru? Je continue à parier sur le singe en fait. Même si ça me paraît possible aussi, en fait, très possible, mais je vois pas comment est-ce qu'on pourrait. Leur donner le singe. Au chien pour qu'il le mâche en fait. Que je l'achète, que je prenne. Vas-y, hein, t'es là-bas. Ouais, je suis. Ah, ça me l'a donné, j'ai dans la main. Dans la main carrément, vas-y. Hein. Ouais, 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 comme un objet. Ouais, t'aurais peut-être bien raison. Attends, j'arrive. Vas-y, on fait comme j'ai fait, hein, on passe par-dessus le muret. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu as rien. Raison. Je te le donne pour la peine comme t'as eu raison. Je le savais. Oula. D'accord. Pour toi aussi, il se passe rien? Si, moi je suis en. Moi, il y a une animation où j'ai vu le donner. Ah, d'accord. Un fémur. Après, la question c'est comment est-ce qu'on arrive pas à la tête de Murray. Bah, attends, regarde, il parle. On a le fémur, je peux aller placer le fémur. Comment? Je peux aller placer le fémur. Oui, déjà pour commencer. Ouais. Ouais, mais il nous faut. Maintenant, il nous faut la tête. Comment est-ce qu'on récupère Murray? Comment fait-on, Vincent? Qui c'est qui parle? Ouais, c'est si, il y a même des tissus et tout, tu les vois bouger sur le vent et tout, ils sont pas juste fixes, mobiles. Immobiles, pardon. Ouais, la tête. Mais ouais, ça me surprend vraiment d'avoir pu passer par le toit et puis d'avoir pu. Ça doit être un bug. Hein. Mmh. Ouais, et ils ont pas tout. Je suis à me dire en fait qu'il manque la tête, mais il manque aussi un autre bras en fait. Il manque aussi quoi? Un autre bras, parce que je vois qu'il reste deux emplacements. Ah. Il manque encore quelque chose. Après, les chiens ils sont partis dans une direction tout à l'heure. On n'a pas regardé où ils sont partis. Bah, je les ai vus disparaître, moi, non? Ah, moi, j'ai... en fait, j'étais pas du bon côté. Ce qui fait que je ne les ai pas vus. Là, j'avoue que je sais pas trop. En fait, c'est l'histoire de ces bonbons là. Il y aura un endroit encore qu'on n'a pas. Ah, ils ont dû partir là-dessous, les chiens. Effectivement. Il manque encore un bras. Et il y a toujours, il nous faut toujours le truc pour la prison là. Et les bonbons, on n'a pas essayé là-bas. Hein. Non, non, c'est vrai. J'ai pris des bonbons avec moi. Tu prends la mèche. Ouais, je prends la mèche, j'arrive. La prison et le crâne. Attends, je vais regarder le bouquin quand même. Ah si, dans la prison, l'autre serrure, il y avait des trucs de squelette aussi. Alors oui, d'accord, mais c'est pareil, il faut l'ouvrir. Ouais, c'est, oui, mais c'est là que est l'autre morceau pour moi. Je viens de résoudre déjà un truc. Ah, et attends, en fait, il y a deux bonbons, je suis en train de capter. Genre ouais, un placer les bonbons. Ah bah, yes. Ouais. J'arrive, je vais chercher la mèche. Ah, et là, t'as un bras. T'es trop un génie du cerveau. Est-ce que tu es malin ou pas? Pour l'instant, on dirait que t'es malade. Est-ce que tu es un génie? Bah, maman, elle m'a dit que j'étais spécial. Je suis spécial! Il ne reste plus que le livre à 200 pièces.
Ouais. Ouais, mais ça se fait, hein. En vrai, tu récupères un pochon, tu vas en récupérer 150 et c'est bon. Ouais, dès qu'on va arriver chez le gouverneur, on va trouver sa... La caisse. Et d'où tu viens ? Ok, t'en as mis un dans chaque. Placer la mèche pour bonbon pour un canon. Waouh. Waouh. Ok, et attends, l'autre. Lanterne requise. J'en fais un, t'en fais un. Ouais. Oh, c'est stylé. Ah, c'est long. J'adore, c'est vraiment comme dans les films. Oui. Ça y est, comment l'autre il se bloque. Ouais. Hey, I don't believe it. Freedom after all these years. Ah, the smell of the sea, the touch of the moonlight. We are free, Captain Coco. Mouah. Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed. Tu sers la pince? Yes. Je veux quand même gratter les fesses avec. J'allais faire la lactique, tu m'as redonné le truc. Tu veux pas m'en taper une? Tape mon 5. Enough with the furniture store. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. I want to have an adventure. And I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. T'es plus abordable. You're stupid. You know what? Fine. Stay here and have your stupid furniture store. I hope it makes you happy. I thought we were friends. Captain Coco. D'accord. Okay. On pourra peut-être l'utiliser. Captain Coco découvert par... Attends, tu peux pas lui mettre... Attends, on peut pas le mettre au squelette. Peut-être. Ou alors il faudra le remplacer à la place de Murray, quoi. Non. Ah oui, c'est... Tu peux pas. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Captain Coco. Finalement, je suis intelligent. Ah ouais, c'est toi qui as parlé de la prise en premier, hein. Oui, non, parce que je savais qu'on avait encore des trucs à faire. Mais moi, quand je lui disais qu'il demandait un truc fin, j'aurais jamais pensé mettre les bonbons dans la serrure. Je sais, on est dans un jeu, hein. Allez-y, prends Murray. Ah ouais, ça a marché. C'est que c'est un mec qui va parler. Effectivement. C'est assez marrant. C'est rigolo. Je trouve ça excellent quand même, l'animation. Ouais. J'adore la façon dont il bosse tout, hein. Franchement, c'est génial. Ouais. Nobody ever said pirates make great architects. Tradition de ma chante. Ils ont bossé ça. Hey, seeing all these ghostly guards gives me an evil idea. If you can get me a new body, I could pretend to be one of them and sneak you into Threepwood's place. What do you say? There's gotta be a convenient corpse lying somewhere. Arrête de parler. T'as le dialogue ou pas? Oui, je les ai aussi. That body looks like a good fit for me. Why not let me take it for a test drive and I'll get you to Guybrush. At last, my new reign of demonic terror can... Oh, oula. Easy now. It's been a while since I had limbs to worry about. Ça fait longtemps que j'ai pas une truc. Here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. Now, marvel at my mastery of impersonation. Je suis en passion de l'identité. Ah bah oui, il est très discret comme ça. On dirait qu'il est bourré. Ça fait longtemps que j'ai pas un préoccupé de mes membres, tu m'étonnes. Ils devaient faire comme moi quand ils voulaient se gratter l'orbite. Le nez. Ou les dents. Je sais pas. Le crâne. C'est si long mais si débile. Yar, one of the governor's guards, I mean.
I be adoring the legend of Monkey Island so much, and oh, forget it. C'est long. Allez, pêche-toi. C'est peut-être qu'il se barre en arrière à chaque fois. Well, that about does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs. No exceptions. Yeah, yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? You sound weird. It's allergies. You know, from the poodles. Oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme is working perfectly. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. Toi aussi, tu as vu le mouvement de mâchoire à bouche ouverte, là ? Oui, oui. Ouais, là, on peut passer sans lever le mur invisible. Oui. Une réunion à minuit. Oula. Ah, il y a un truc... Et qui parle tout seul ? Ouais. You're the only treasure I need, Thunder Bunny. I'm here to rescue you. My hero. Mec, il est arbré. Not so fast, you mutinous butt skipper. Y a rien à prendre. Oh, pourquoi tu l'as pas laissé parler ? Ah, pardon. Bah oui. On le voit, il joue derrière. Ah oui, effectivement, on le voit. Not today, thank you. Important gubernatorial business going on. Bah oui, bien sûr. I told you no more autographs. Leave me alone. Would you be quiet? My wife is sleeping. Ma femme dort. Ah! Look, Ludikins, we have company. They must want to hear all about your courageous deeds. Oh, but honey pumpkin, I'm busy with my memoirs. I can't be disturbed or I'll miss my deadline. Now, we mustn't be rude. And look, they have a meet and greet ticket. Ah non, je suis 150, on était pas loin. Hein. Welcome to the official Legend of Monkey Island meet and greet event. Your once-in-a-lifetime chance to hear all the seafaring adventures of the mighty pirate Guybrush Threepwood. Straight from the legend himself. No food or drink permitted during the event. Please keep your hands and feet inside the mansion at all times. The Trial and authorities are not responsible for any loss of property, injury, or death incurred during the presentation. The legend begins right here on Melee Island, on the day of my arrival. The pirate leader immediately recognized my natural talents. Ouais, speech des développeurs. Who was instantly swept off her feet. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. The ghost pirate LeChuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious Monkey Island. Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. On dirait un spin-off de Mario avec Bowser. Again before finally ouais. Ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, why can't I remember? And what was with that weird fog anyway? Did I? Once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Thanks for stopping by. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. Yeah, we have gifts for the whole family. Oh, and please, please. Quietly. My wife is very, very sleepy. D'accord.
Et donc... Ah, il y a une porte là à ouvrir. Ah ouais, donc c'est la suite. Tout est poussiéreux, quoi. Ouais. Ah, clé requise pour déverrouiller. Mighty Pirate Chest. C'est vrai que j'ai pas ma... Il y a un couvercle. Ah ouais. Et je t'ai dit, on était pas loin avec les 150 ans. Ouais, on va trouver ce qu'il nous faut. Hein. Il va y arriver. Alors là, je crois qu'on peut visiter le reste de l'île derrière le manoir, mais... Là, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Et qui faisait sa visite. Ah, là, ouvrir les rideaux. Et donc femme. Mais encore. C'est pour y voir un peu plus clair. Bah, nickel. C'est pété. On peut pas sortir, en fait. Non, faut vraiment trouver la clé. Ah, merde. Attends, on doit être dans un endroit débile. Il y a un trou là, ici. Où est la clé, Vincent? Au secours. Ah, retirer les draps. Ah, il y a des singes. Lettre d'Hélène. Et là, après, t'as la clé. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu sais quoi, j'étais sur le, j'étais à côté du lit. J'avais pas d'interaction, je pense, parce que j'étais pas du bon côté du lit. Alors, attends. Madame, monsieur, si vous lisez ceci, vous devez rencontrer Guybrush, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Il n'est pas lui-même, et je n'y peux rien... Ah, pardon, et je ne peux rien y faire. Cet endroit ressemble à l'île de Mêlée, mais elle a été tordue. Et je pense savoir qui en est à l'origine. J'ai été à la boutique de Vaudou, mais les gardes m'en ont bloqué l'accès. Je n'ai pas le choix. Je quitte l'île de Mêlée pour obtenir des réponses. Si vous êtes ici pour aider, s'il vous plaît, trouvez un moyen de parler à Corina au magasin international de Mojo. J'ai laissé quelques bouteilles spéciales pour vous aider. Hélène Marley, c'est le poudre. Ah, donc en fait, ça contrôle, c'est pas la vraie île. C'est une réplique. Ouais. Bouteille de racinette. C'est pour aller... Ah, au dehors, regarde la fenêtre. Ah bah oui, c'est le singe. Ouais, t'as la même idée que moi. Faut la secouer. Ah, faut la secouer. C'est du spray. Mais c'est pour les pirates, ça, non? Aucune idée. Il va où? Ah, il y en a 4 parce que... Oula. Ouais, ouais. Well, well, what have we here? An unwanted intrusion into my masterful delusion. Threepwood always was pathetically easy to manipulate. J'aurais tellement avoir un bateau comme ça dans le jeu. Mais ouais. Avec les voiles triangulaires. His raging ego made all this possible. So long as he believes he's the legend of Monkey Island. He'll never want to leave this place. And it's all thanks to this. Pirates on your precious sea of thieves practically tripped over themselves to deliver me this sword. They couldn't wait to help their beloved pirate lord. Ah d'accord, il a pris l'apparence. Oh, the sea of thieves is such a special place. Where a sickeningly sweet story can last for all eternity. And once this burning blade is restored, those waters ah, will be burning mine blade. To rule as non, I see meurtre, hein. So you see, I really can't let you stand in my way. Fortunately, my skeletal shipmates have gotten mighty restless keeping watch on Freeport.
I'm sure they'll take good care of you while I set sail for Monkey Island. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Wow. Turbo boost, toi. Ah là. On attaque avec le coup de spray. Ouais. Excellent. Il y avait rien derrière, pas. Attends, je pense... Je le sais pas. Je te jette un coup d'œil vite fait. Vas-y, vas-y, jette un coup d'œil. Moi, je m'occupe des... Pirates sur ce gissant. Ouais. Non. Il n'y a pas l'air. Ça me termine quoi. Le spray là. Oula. J'arrive. T'inquiète pas, ça se fait hein. Ouais bah ouais. Mieux vu que c'était pas si compliqué que ça. À partir du moment où ils sont à terre, ils sont à quatre pattes par terre, ils sont morts. Par contre j'ai l'impression que la bouteille se vide. Ouais. Ça paraît très plutôt logique. Oh la musique! J'aimerais bien que je vois des trucs comme ça d'ailleurs. Mais attends, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut visiter les magasins? Les magasins. Ah, y'a plus de garde dedans? Ah, mais on peut rentrer chez la vaudou. Excellent! Oula! Oh, j'aime la musique. Racinette requise en offrande. Et ta bouteille, non? Ouais. Bouteille c'est la racinette, normalement, non? Ouais, j'ai pris la tienne. Placée. Oh. Ah, oh. Elle est là. Thanks to you, the Chuck has withdrawn, and Root Beer has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last. C'est vraiment la vaudou qui chique. We have much to discuss, but I think you may have unfinished business here on Mele Island. When you are ready to depart, return to me here. I shall be waiting. D'accord, donc faut lui parler quand on sera prêt à partir. We have much to discuss, sauf qu'il nous manque 5 pièces. Ouais. Bon, on passe, normalement on a la boutique de l'autre là, le... Ah non, il n'y a pas que ça. Ah non. Il manque 5 pièces. Vincent. Ouais. Vincent. Comment est-ce qu'on va faire? À mon avis, on a des petites pièces qui sont planquées à droite à gauche. On a raté. Terrible là. Il va y avoir genre un lieu qu'on n'a pas visité avec plusieurs petites pièces. Cinq pièces, que c'est trop frustrant. T'es parti dans un sens, je vais faire l'autre. Moi je suis dans l'eau là, sur le quai, je vais voir s'il y a des pièces sous l'eau. 5 pièces quoi. C'est horrible. Ah j'avais pas vu, c'est une épave de brigantin qui est ouais. C'est l'épave de bateau que t'avais vu. Ah c'est oui. C'est un brigantin. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Eh, on a pas accès à la cale là. Ils l'ont condamné, ces sagouins. C'est horrible, c'est affreux. J'ai pas de pièces sous l'eau, moi. Comment est-ce qu'on va faire?
trouvé 5. Attends, j'ai une... Ah, attends, j'ai une pochette là. Oh, j'ai 5 mec. Oh la vache. Tu as trouvé où? Sur le hockey, il y avait une petite maison avec une caisse qui était planquée. Oh la vache. Une caisse avec un couvercle qui a glissé. Je pense dire qu'on a tout trouvé. Ah, c'est le livre d'histoire. Tu l'as pris? Non, attends, je vais le prendre. Acheter. Vas-y. Une brève histoire de l'île de Melee par S. Kapman. Fondation. Avec ses jumelles, les îles Bounty et Plunder, l'île de Melee constitue l'une des trois pierres angulaires de l'archipel des trois îles, fondée par la famille Marale. La prospérité de l'île peut être en grande partie attribuée au tourisme renforcé par la présence de la maison de la famille Marale sur la côte. Ce luxueux domaine a longtemps servi de siège à la lignée Marley qui a gouverné la région. Géographie locale. Une grande partie de la beauté naturelle de l'île peut être attribuée à son sommet central, prééminent à sa grande baie. Bien qu'à peine assez grande pour être considérée comme un simple promontoire, la petite île du Crochet se trouve au large de la côte. Installée dans une ville portuaire florissante, le Scumbar est considéré comme la structure artificielle la plus populaire et la plus prestigieuse de toute Melee. Une destination courante pour tous les bons à rien de passage. La majeure partie de l'île reste couverte d'une forêt naturelle dense, et c'est dans ces régions isolées que de nombreux mercenaires à la retraite ont élu domicile. Coutume de l'île, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pages. Les proliférations des pirates a rapidement conduit à l'émergence d'une sorte de conseil résident les affaires maritimes en tandem avec le gouverneur. Ces juges du conseil des pirates organisent trois épreuves d'initiation à la piraterie, et quelques chanceux qui réussissaient se voyaient remettre de beaux habits. Conscients de la menace posée par leur maudit de Marley, ont mis en place une économie basée sur les pièces de 8 d'argent, qui reste la monnaie de prédilection dans l'archipel des Trois Îles. Le combat à l'épée est un passe-temps courant entre la région et la maîtrise de ses subtilités est essentielle lors de la tentative des trois épreuves. Est-ce qu'il y a beaucoup de pages? Il y a beaucoup quand même. Il y a trop, Vincent. Il y a trop. Merde, écoutez ce que Piffy... Je suis en train de regarder les achievements, et là, on pourra pas tout faire. Ah ouais? Pourquoi? Bah, c'est Piffy, le chien. Ouais. En fin de compte, il faut lui parler, il faut faire toutes les lignes de dialogue. Mais il me semblait que je les avoir toutes faites, et il m'en manque une. Je l'ai pas faite moi non plus, attends. Et là, quand tu vas y parler, c'est un nouveau dialogue, en fait. Alors, ça m'a débloqué un supplémentaire, mais... Et emmener Muret visiter les principaux endroits de la ville. Ah, on n'a pas pensé. Ah, quand on avait le crâne. Ah ouais. Quand on avait le crâne dans la main. Ouais, faudra le refaire si on veut tout finir. Terminer le voyage. Admirer la vue depuis tous les emplacements de mémoire. On a 0 sur 10, mec. Peut-être plus tard, non? Bah, le truc, ça ressemble à... tu sais, les trucs que tu me dis qu'il y en a partout. Les trucs à encre. Sur l'image, c'est ça, il y en a vraiment partout. Agence. 2 sur 9. Agnès a vu depuis tous les emplacements de mémoire. Ouais. Ah, rien, si je fais là, j'en ai partout, ça compte ou pas? Il y en a un qui est quoi dans le fucked up? Lequel? Ah oui, enquêteur de l'île de Melee. Ouais, je pense que c'est un truc, genre il faut finir tous les achievements pour débloquer ça. J'aimerais tester un truc. Mille voyages, écouter ce que Piffy a à dire. Ok, c'est ça. Quoi? Les trucs à encre, il faut s'asseoir à côté. D'accord. Et il est en dialogue. Donc viens voir là où je suis. Bon, le lit, ça te prend un emplacement dans la main, quoi. Attends, j'arrive. Je le pose par terre, parce que ça m'a saoulé. Tu vois, j'en avais un. Alors, du coup, il va nous manquer, ouais, effectivement, le chien, Murray. Effectivement. J'y ai pas pensé. C'est comme j'ai débloqué un truc tout à l'heure, je sais pas si t'as débloqué aussi. Prenez place au Scumbar. Ouais. Il faut que tu t'assoies à une table en fait. Je l'ai fait ça non. Sur un siège. Bah moi je l'ai fait, ça me l'a débloqué. Pendant que tu lisais ton histoire. Ah oui, ah non, je l'ai pas fait. Prenez place au Scumbar.
Bah, faut que tu trouves un siège en fait. Du coup, on va éviter le tour de l'île, là. Donc, du coup, je pense qu'en fait, l'arrière de l'île, ça sera pas pour tout de suite. Parce que, du coup, il y a qu'un truc là, on est d'accord. Pas tout de suite, du coup, pour l'instant. Enfin, y a pas le. Comment ça? Bah, parce que là, visiblement, on a tout fait. Et derrière, il y a un truc avec un cirque, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une suite, du coup. Par rapport au succès. Mais oui, bah. Oui, il va y avoir une suite, en fait. Moi, je te l'ai dit, ça va sortir en plusieurs épisodes. Parce que là, on vient de découvrir que, en fin de compte, l'île de Mêlée, c'est pas la vraie. C'est une espèce de monde parallèle, où Murray, il croit qu'il est le leader ici. Ça n'est que. Mensonge. Est-ce qu'il y a un truc dans l'horloge? Pierre, je savais que ces trucs étaient chelous. Ah oui. Je l'ai dit. Hein. Bah oui, tu l'as dit, il y en a partout, c'est bizarre. Et puis ils sont vachement voyants, tu vois, ça fait rouge, flashy. Ouais. Ah, je me suis allé là où justement je voulais pas trop aller parce que je crois que je suis coincé. Ah. Ah non, mais il y a un moyen de sortir. Ils ont mis un accès tout sur les toits. En fait, t'as vraiment un moyen d'aller sur les toits à plein d'endroits, quoi. Sauf que les gens sont des casse-cou. Bah et puis ouais, c'est peut-être pour éviter aussi de mettre des murs invisibles un peu partout, ouais, c'est intelligent. Ça casse un peu le... Ouais. Bah ça casse le mur de jeux vidéo, ils font en sorte que les lieux sont accessibles. Ouais. Et ils rentrent pas ça casser avec un mur invisible. Attends, du coup tout à l'heure j'en avais un moi, un truc à encre. Devant l'horloge, tu l'as fait ou pas? Devant l'horloge. Je sais pas si on pense oui, pas. Si. Ouais. À côté des trois, t'as Gazou. Voilà, t'es que siège. Là, il y en a un, mais je suis pas sûr. C'est vraiment rien pour s'asseoir, visiblement. Ah, si, je pense on le refera de notre côté avec un tuto, vite fait. Maintenant qu'on sait tout ce qu'il y a à faire. Ouais, on verra. Je sais pas vraiment s'il y a un truc ici parce que. Ah, pour s'asseoir. Est-ce que il y a un truc aussi dans l'église peut-être? Si on s'assoit dans l'église, mais j'ai pas eu de probou pour ça. Non. Avec les caniches derrière, je ne sais pas. Ah là, il y en a un derrière. It's an alleyway. Not too glamorous, but I guess they have their uses. This one seems. Ah merde, est-ce que ça va me l'avoir compté du coup si j'ai quitté avant qu'il t'aime? Ah merde! Quoi? J'ai coupé la discussion tout à l'heure et il me l'a pas compté. Vas-y, refais-le. Et ceci non plus, donc il faudra que j'en fasse une voilà. But I guess they have their uses. This one seems oddly mysterious. Ah si, 3 sur 10, si me l'avait bien compté. Et il me l'avait 3, pas... 3 sur 10. Voilà, ça met du temps de s'actualiser. Ouais. Je suis à 3 sur 10 aussi. Là, il y en avait un. Cause too much trouble and you might end up in prison. There's not much to do here except count the rats. My pal Otis. Ah, je peux pas m'asseoir quand t'as assis dessus en fait. Ah, oh, c'est relou ça. Ouais. Je vais se faire. Il doit être à 4. The fanciest place on Mêlée Island. Before I could get inside to Mêlée, I had to subdue a pack of piranha poodles. They're actually quite cute when they're sleeping. Quand même pour les 5 pièces, la GG, hein, parce que vraiment. Ouais. C'est vraiment le truc qui aurait pu durer longtemps, quoi. 6. Some of the most priceless treasures ever looted are on display here. I came to steal one. And that's how I met my plunder buddy. Il est où le sixième? À l'intérieur dans le hall. Là ouais, ouais. Là, là. Ah d'accord.
Je vais vérifier par curiosité, mais je pense pas qu'il y en ait derrière. Ah, tout à l'heure, tu y étais en plus. Je crois pas en avoir vu. Non, non, il y a rien. Donc après, il doit y en avoir côté du port. Bon, 4. Mec, est-ce qu'il y en a pas un, genre tout là-haut? Ouais, à mon avis, là où il y a le guetteur. Hein. Lynch et Vaillant. Non, c'est pas rien. On va s'asseoir sur tout ce qu'on peut s'asseoir. Tu l'as examiné le grand grimoire? Non, je l'ai même pas vu. À côté d'elle. Bon, ça m'a rien donné, hein, mais. Je vais checker ça. Peut-être derrière. Non, là y'a rien. C'est qui en aurait pas un là-dedans? Ouais, là. Ah, moi ça marche pas. Faut absolument être sur ton ciel. Vérifie peut-être sur le quai là où on a Yann, notre bateau en vrai. Non, y a rien. Non. Non. Ah, en fin de compte, regarde la dernière pochette, elle était là. Yann, là-dedans. Ah ouais. T'as eu un move de génie quand même. Ouais. Truc angoissant. Bah, j'ai vu la caisse, il était clair. Je fais attends, est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Je m'approche, je vois un pochon. Je vois, il y en avoir 3 ou 4, tu vas voir. Et là, non, 5. Oh, oh la vache. C'était le dernier. Parce que vraiment, je crois vraiment que le compte était pile. Hein. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas la une chance de tout récupérer du coup du premier coup. Ouais. On n'aura pas besoin d'aide pour galérer ou quoi. Attends, je vérifie qu'il n'y a rien de planqué là-haut. Non. Il y a moyen d'aller vite pour descendre, par contre c'est pour monter, il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Non. Descendre c'est simple, il faut sauter. Ouais, saute dans le vide. Cette route là, fin de montagne, ça me rappelle les vacances. On a été explorer en voiture un plateau à 1700 mètres d'altitude. Et c'est vraiment une route comme ça, à flanc de montagne, qui fait des zigzags gauche-droite. Et t'as le vide en fait à droite. Ah ouais. C'est quand même horrible ça, quand tu conduis en voiture avec des plateaux comme ça, j'ai jamais fait, mais là quand je voyais mon père, je me disais, mais purée, de quand même être. Alors, honnêtement, moi j'ai kiffé. Ah ouais? Alors, j'ai ma mère qui était passager à l'arrière, elle a flippé. Alors, moi j'ai kiffé. Okay. Bah, c'est génial, y en a pas. On est monté là pour rien. C'est pas possible, mais il doit forcément y en avoir un là, et en plus de ça, il nous en manque encore 2 ou 3, je crois. Ah, il nous en manque 3. On va voir si j'ai le même compte. Si j'ai bien tout fait. En même temps que toi. Ouais. Il en manque 3. Non, ça fait rien. Ça, à mon avis, ça sortira dans une prochaine. Ouais. Une prochaine fouille. Putain, c'est dingue, hein. Aïe. C'est étonnant, pourtant c'est des choses qui servent à regarder des points de vue. Il va pas falloir qu'on aille sur internet. Oh sinon vas-y hein.
Ça, il a craqué vraiment. Il... Ah oui, mais je, là, j'ai envie de finir, je t'avoue. En fait, je commence à crever de chaud. Mais waouh, j'avais pas vu l'heure. Bah oui. Ah oui, d'accord, ça fait 2 heures en fait qu'on y est dessus en fait. J'ai pas fait gaffe. Bah ouais. C'est quoi que j'en viens d'avoir là? Pas juif, qu'est-ce que t'as fait? Ah rien, j'étais en train de descendre. Mais c'est le bouquin là qu'on a récupéré auprès du mec. Il a dit quoi? Mais non, mais le livre d'histoire qui coûte 200 pièces. Oui, bah. Là en gros, ça vient de nous notifier qu'on l'a récupéré. Non, on l'avait déjà. Bah oui, mais c'est pour ça que je comprends pas. Moi j'étais en train de descendre, hein, j'ai rien fait. Moi en anglais avec les points. Hein? Les points à la vue. Ah. Alors, ça ok. Ça on l'a fait. Ça on l'a pas fait. Lequel ou ça? Sur le bord de mer, j'en ai montré un, mais il y en avait un autre un peu à côté. Il y en a un là où on a acheté notre costume. Oh, c'est Chaco. Remonte tout en haut. Ou alors, en vrai, on pourra peut-être grimper depuis un autre endroit, mais il y en a un sur un toit. Attends, je crois que je suis un toit. Voilà. Donc, il y a chez le mec qui vend le costume, sur le bord de mer, et sur un toit. En face de l'église. Le bâtiment en face de l'église. Il y a un toit sur lequel il faut grimper. Attends, du coup, il faut que je remonte. Ouais, peut-être un autre endroit pour grimper, hein, mais... Ah oui, j'étais à côté de la pente. Le problème, c'est que j'ai plus de bouffe et je suis déjà low life. Je vais crever, en fait. Attends, j'ai un peu de bouffe, si tu veux. Ah ouais. Je me suis déjà soigné à cause de mes bêtises. Hop. Allez. Après, ouais, il y avait le moyen de grimper avec l'horloge, en fait. Depuis l'horloge, en fait. Là. Oh. Coconut. Vas-y, attends, je vais m'en manger une parce que moi aussi, je suis pas... Après, je dois en avoir dans le bateau si besoin. Et donc là, on va, faut aller où? Il faudrait que je rechoppe le truc que j'avais fait tout à l'heure. En vrai, depuis l'horloge, j'aurais pu passer. Mais en théorie, moi, j'avais sauté de là. Tu te brises les genoux. Aïe. Ah, oh, effectivement. Ah, oh, par contre, tu peux plus du tout sauter. Oh, ta race. Bah ouais, tu te brises les genoux. Le mec, il brise les genoux, puis il est plus capable de sauter. Qui est comme ça dans la vraie vie? Ça y est. Du coup, je continue à dire en fait qu'on aurait pu un peu... Je serais curieux, du coup, si on refait un retry, de voir s'il y avait moyen de glitch. C'est de passer par là, et puis du coup, d'aller voir Guybrush avant. Ah ouais, direct. Bah ouais, parce qu'en vrai, j'y avais accès, normalement. Alors, à moins qu'arriver devant la porte du manoir, ça soit pas activé, puis qu'ils disent bah non. Ouais, là. C'est ça, l'encre, en fait, qui était tombée par terre. C'est pour ça qu'il était tombé, Vincent. L'encre, où ça? Ah, oui, en bas. Ah, elle était censée être là-haut. Ouais. Oh, putain. C'est qu'elle était tombée par terre, je me dis, bizarre. Tout était lié. Attends, t'es où? T'es en bas. Ahoy there, fancy pants. The only general store on Melee Island. Est-ce que t'aimes ce point de vue? Alors, surtout que t'as habillé quoi, une femme qui va faire la cuisine? Ah oui, attends, je relève ma tenue. Voilà. Oh. Allez-y. Je veux aussi un système pour pouvoir sauvegarder les tenues. Ah oui, je vois ce que je veux dire. Hein. Un système de sauvegarde de tenues.
Parce que y a, dans le jeu, quand tu regardes, tu as déjà des tenues préfaites, pré-complètes. Mais moi, ma tenue là, je voudrais que ce soit une tenue préfaite et pré-complète. Oh, ouais. Mémoire d'une légende, volume 1. Noisy, filthy, like attends, j'arrive. C'est le dernier, normalement. Ah, c'est parce que le livre est revenu sur le piédestal de, du vendeur. Ah oui, d'accord. Attends, il est où le machin? Mince, ah oui. Bah oui, c'est pour ça que je te demandais d'attendre. Yeah, là. Ah oui. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a plus rien. Terminer le voyage, faire visiter Murray. Écoutez ce que Piffy a à dire. Il manque Spiffy en vrai, puis Murray, c'est tout. Ouais. Moi, j'en ai arrêté presque. D'ailleurs, le chien, ça, il manque vraiment un dialogue. Quoi. Ouais, mais je comprends pas, parce que moi, j'ai fait les 4. Bizarre. Voilà, il y a peut-être un dialogue si tu rapportes pas le truc qu'il faut. LeChuck has come to know the Sea of Thieves and envies the power and status of its pirate lord. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island, and only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood, but it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan, and when the time is right, I sense they will seek your help once more. For now, I shall return you to your ship. Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repays it. Hey, complete. Vous avez terminé l'accomplissement, le voyage vers l'île de Mêlée. Tail completed. Completed. Ah, ah oui, je vais dire du coup est-ce que c'est TP ou pas. Voyage vers l'île de Mêlée. On a été recap. Oh, on a eu les figurines. Ouais. Ah oui. Donc ouais, il nous manquera ça pour avoir l'ultime récompense puis terminer. Ouais. Ouais, Riaz vient de voir là. Non. Oula. J'ai vu hein, mais. Ouais. On va d'abord voir le bateau rider. Le bateau slider. Oula. Ah, on sort Hélène du portail. Qui est à gauche. Eh ben merveilleux, on va pouvoir s'arrêter ici du coup. Ben oui, en pleine tempête. C'est vrai quand même qu'ils ont quand même un truc sale. C'est que pour l'histoire principale, pour tout avoir, il faut les faire 5 fois, donc 4 fois encore. C'est ouais, ça, t'as remarqué dans les nouvelles fables, ils le mettent plus. Hein. Bah ouais, mais normal, mais en même temps, quelle horreur. C'est quand même un truc un peu sale, quoi. Je veux dire, c'est ouais. Lourd, quoi. Moi, je serais chaud pour le refaire un jour, mais. Moi, c'était. Wild Rose que je voulais faire. Wild Rose, ouais. Finalement, j'ai même pas complété la deuxième fois. Pour avoir la barre. Il a été accompli. Trop chiant quoi. Pourquoi le bateau il porte un nom que je connais pas? Tu vois quoi toi? Salty Sea Dog, effectivement. Ok. Bah,
Voilà, t'as un nouveau bateau visiblement. D'accord, ils m'ont renommé mon bateau en un truc. Le chien des mers salé. Et pourtant, tu l'as. D'accord, j'ai un nouveau navire. Non, il me. J'ai un nouveau navire, il me pisse à l'arrêt. Bon, est-ce qu'on met fin à l'épisode ici? Ouais, je vais regarder les récompenses en fait, qu'il donne dans la fable d'histoire. Ouais. Pourquoi j'ai toutes les récompenses de ce truc là On va peut-être farmer un. Bah, bizarre en fait. C'est lequel? Regarde The Seabound Soul. Attends. Parce que moi il me dit bien de trouver les carnets, les artefacts. Accomplissez. Ah non, mais il ne demande pas de le faire plusieurs fois. Ça doit être un truc plutôt particulier, je ne veux plus me souvenir. Mais on a eu. Attends. Et de récompense. Je veux juste voir un truc avant. Réputation fable. Lequel? Seabound Soul. Mais en fait, ça me paraît plutôt logique en fait, parce qu'il ne demande pas de le faire plusieurs fois celui-ci. Ouais, c'est quoi ce truc? Oh, il y a la voix de Dragon Sondé, je sais même pas c'est quoi. Vous avez libéré Flamehearth. Ah oui, c'est le truc où on libère Flamehearth. Ouais. Flamehearth, ok. C'est vrai que c'est le début de la nouvelle histoire, je crois. Et c'est vrai que tu, je me suis, enfin, tu t'étais posé une question et je me suis posé la réponse tout seul d'aujourd'hui en jouant. Tu sais, tu me disais avec les histoires là qui sortent en ce moment, tu sais, tous les 15 jours, tu me disais, c'est en où l'histoire de Flamehearth? Ouais. Mais en fait, là, pensant, elle a pas de fin. Parce que ce qu'ils ont fait, soit tu te bats pour Flamehearth, soit tu te bats pour Athéna, le fameux. Ouais. Le truc qu'il y a sur la table là. C'est le vrai. Le mode PVP. C'est la vrai. Suite de Flamehearth, en fait, c'est ça. C'est vrai. C'est juste. Mais pour l'instant, on sait pas encore ce qu'il y a dans le puits du coup. Non, c'est vrai. Ah, peut-être qu'on avance un jour. Bon. Ah, je suis tellement fier de ce navire. Il n'en peut plus. Ah, mais mec, ça fait tellement de temps que je farm pour l'avoir. Qui m'intéressait. Il est content. Par contre, si le rouge, il m'intéresse pas trop. Bon, on va s'arrêter ici, il est 1h du matin quand même. Alors, juste avant, je voulais voir un truc. Non. Tu sais, au cas où, comme on a terminé la première, au cas où il n'y a pas un deuxième bouquin qui spawn. Tu vois, un truc à la con comme ça. Ah, je pense pas, sinon il. Genre la suite. Bah non, pour moi, il n'y a pas de suite là. Non, il n'y a qu'un bouquin. Non, mais tu vois, sur la table, il y a clairement la place pour deux autres bouquins. C'est vrai. 4 matchs. Ça me paraît juste. Je suis gourmand, Vas. Oui. Et pourtant, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Bon, et eh bien écoutez, parfait. On va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres let's play. Solo, co-op ou autre débilité. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Non. Il est parti. Je vais sur mon beau bateau. Beau bateau, beau bateau. À noter que les gens qui nous offrent des histoires vivent dans des bicoques délabrés. Hein. Oui, des coques de bateau. C'est quand même fou la fable aussi de Pierre Descaymes. Ouais. On y repense. Ouais, ouais, honnêtement, celle-là, j'ai bien aimé par contre. Pareil, c'est comme l'île de mêlée en fait. Ça t'amène dans un nouveau monde avec des nouveaux personnages. Ouais. Un truc intéressant. C'est vrai que l'autre. Histoire principale finalement du jeu était un peu plus comment dire. Bah c'était dans l'histoire du jeu déjà. Ouais voilà c'est ça. Tu visites les îles que tu vois déjà en fait. T'as ouais. Pas de nouveau lieu entre guillemets. Sauf évidemment le lieu caché tout en haut. Les Shrouded Ghost. Les Shore of Gold. Shore of Gold exactement. D'accord, je suis pris un. Puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao ciao devant ce magnifique bateau. Ta femme, devant. Ouais, je sais. Attends. Tu parles de laquelle, c'est le qui en dessous ou c'est le qui au-dessus? Non, je trouve que celle-ci correspond un peu plus à ta femme et un peu plus au bateau.
Ah mec, je suis tellement heureux. T'as vu là ta femme? Oh sagouin. Je me disais, mais attends, parce que, en fait je regardais puis je me disais, bah y a pas de couche verte sur... Y'a pas de couche. Ah vraiment, je voyais pas... Je la voyais pas bien. Je voyais que les boules vertes qui dépassaient sur les côtés. Ta femme a des boules vertes, inquiète-toi. Bah y'en a vraiment en plus. Purée, mais le nombre de voiles que j'ai, oh là 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 là. T'as combien de pages? C'est 2. Mais toi tu dois en avoir 4, non? Ouais, je crois que j'en ai 4. Alors que le reste, j'ai quasiment une page de chaque. Et encore. Je crois que j'ai minimum 2 pages partout. Ah, c'est vraiment le Gilded Phoenix que j'aurais voulu avoir ouais. Complet. Quoi. J'ai quoi? J'ai les canons. J'ai la barre. J'ai la voile perdue quelque part, j'imagine. Trop de voiles. Au secours! Je suis pas sûr d'avoir la voile. Ouais, je crois que je l'ai, la voile. Ah si, en fait, j'ai peut-être tout. Hein. Ah si, j'ai tout 7, en fait. Enfin, j'ai qu'une seule traînée. C'est celle qu'on est gratos, c'est la traînée de Sailor, c'est un truc doré, je crois. Ouais, ah, non, j'ai tout ça, mais j'ai pas la barre des Guildes Phoenix. Non, ah ouais, pardon, elle est pareil. Ah non, il y en a que j'ai pas des... D'accord, ok. Bah parmi... ah oui, d'accord, c'est ceux des terreurs et tout qui te foutent là. Je trouve que c'est un peu débile, mais ok. Saphir, ouais, là, j'ai le cabestor. J'ai les canons, mais j'ai pas le reste, je crois. Golden Sayer. J'aimerais ouais, tellement avoir un onglet avec les 7. Tu sais que ça soit directement... Ouais, choisir le... Un onglet par set, et quand tu cliques dessus, ça installe ouais. Tout le set complet sur le bateau. Ouais. J'aimerais vraiment un truc comme ça. Ah, ou juste un système de tri, en fait, dans le... C'est vrai que ça manque vraiment de tri, de pouvoir choisir un peu mieux. Quand tu commences à avoir pas mal de choses... Bah surtout toi, moi encore, bon, c'est un peu le bordel, ça m'énerve déjà, mais alors toi, j'imagine même pas. Toi, les figures de proue, j'ai 3 pages. Les coques, j'en ai 3. Les voiles, j'en ai 4. Les barres, j'en ai 2. Les canons, j'en ai 2. Et les cabestans, j'en ai 2.